Oui, mon fils, ça va? Ça va bien? Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous, là, tout le temps, c'est comme ça. Problème de l'école, problème de dépenses. Maintenant, vous comprenez? Crédit de l'argent, crédit, moi, la Guinée, en quoi tant qu'on a quel rythme? Ou à quoi bien, oui, il est moyen? Et c'est que l'école, ça défi immédiatement, il dépense une gaïra. Voilà, mais. Ah, ouais, on a quel rythme de samba, ça crée ça rien. Ah, ouais, d'accord. Il y a quel mendi, moi, mais venu. Dumé. Voilà, la barre, c'est gars. 1 million, hein? 1 million à Hanaki. Il y a un an à Deido. Bien, ça va marcher. Super! Salam alaikum. Ah, allez, voyez. Non, allez, va. Voilà, tu es là. Moi, je suis là. 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 Crédit là, non, crédit money. La Guinée B, et n'a pas dit non, mais alors que vous avez un compte fil modèlement. Il doit rire, il est en Hong Kong, il va en Hong Kong, à ce que direct, à ce que vous avez un rhum. Que vous avez un mot minima. Non, t'as mon acolo. Ah, tu m'as dit, il m'a so, rien là. Étoile 11, 10, ok, 10, ok. Ah, bah, c'est ça? Ah, bah, il y a un talent qui. Mais il y a ah, mais il y a un talent qui. Crédit de la Guinée, on a un crédit money, la Guinée, on a voulu rire. Crédit rural de Guinée, ensemble, travaillons pour notre réussite. FM, FIM 24. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Barry, Mamadou Ri Diallo, Emmanuel Milimuno, Kabine Fofana, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambali. Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous sommes le lundi 16 octobre, une nouvelle semaine démarre en votre compagnie, merci de nous rejoindre sur FIM Guinée 95.3 en modulation des fréquences à Conakry Extension et vous nous rejoignez également sur l'ensemble de nos médias partenaires en province et sur nos canaux digitaux. Le plaisir de vous servir comme tous les matins aux commandes de cette émission. À la une, affaire Amadou Damaro Camara à la CRIEF, la sortie des 6 milliards de francs guinéens que l'ex-président de la
l'Assemblée nationale a dit avoir laissé sous le compte de l'institution a-t-elle été avalisée par le nouveau maître du pays? À quelle fin cet argent a-t-il été dépensé? Des questions que l'opinion guinéenne continue de se poser. Alpagué est trimballé devant la CRIEF pour un présumé détournement de 15 milliards de francs guinéens des caisses de l'Assemblée nationale. La récente comparution de Amadou Damaro Camara devant cette juridiction spéciale après moult renvois a provoqué toutefois un véritable coup de théâtre. L'homme qui apparemment commence à reprendre du poil de la bête sur le plan physique n'avait rien d'impénitent et ses révélations ont plutôt permis d'éclairer de nouveau la religion de la cour sur l'usage de ces fameux 15 milliards de francs guinéens incriminés. Et depuis, les regards se sont tournés vers le secrétaire général d'alors du Parlement, à l'occurrence Dr Mohamed Bereté, chargé alors d'expédier les affaires courantes avant l'installation de Dr Dansa Kourouma à la tête de l'actuelle CNT. De fil en aiguille, nos lumières ont été élucidées sur le fait que les plus hautes autorités du CNRD étaient bien au courant de l'utilisation des 6 milliards de francs guinéens restés dans les comptes de l'Assemblée nationale à la BCRG. Il apparaît que l'institution se munissait de précautions en soumettant les chèques émis pour tout besoin en termes de dépenses à un comité ad hoc qui avait plutôt pris ses quartiers au chapiteau avec comme chef de file le docteur Fodé Cissé, ancien directeur général de la CNPS. Ce comité, à son tour, remontait, semble-t-il, les dossiers à une commission du CNRD qui regroupait, entre autres, général Sadiba Koulibaly, colonel Amara Camara, colonel Aminata Diallo, etc. Les autorités de la transition daigneront-elles un jour à faire la lumière, toute la lumière, sur comment ces 6 milliards de francs guinéens ont été dépensés? À suivre le dossier d'enquête concocté par Mamadou Houry Diallo, notre limien chef. Second dossier d'enquête du jour, chantier de la BCRG, les comptes et mécomptes de la caverne d'Ali Baba. Décidément, le nouveau gouverneur de la BCRG, Dr Karamo Kaba et son équipe ont l'art de voir les choses en grand, même si cela peut parfois coûter les yeux de la tête, comme c'est le cas, tenez-vous bien, du changement d'architecture relatif à la configuration intérieure de l'immeuble en chantier de 12 étages appartenant à l'institution bancaire située en face de l'hôtel Kaloum en vue de sa réorientation à l'usage final, avec en sus l'ameublement des locaux, ce qui fait dresser les cheveux à la tête, les cheveux sur la tête, à plus d'un contribuable dans cette affaire immobilière. C'est bien entendu le coût de cet avenant qui serait compris entre 200 et 240 milliards de francs guinéens, soit plus que le coût global du chantier, qui était de l'ordre de 198 milliards de francs guinéens sous Alpha Condé. La cerise sur le gâteau dans ce projet est le fait qu'il soit exécuté sous le régime tant décrié du gré à gré. Il n'y a besoin d'être grand clerc pour comprendre que les caisses de cette caverne d'Ali Baba en prendraient un coup en cette période où les vaches sont pourtant moins grasses. Du chantier de Ketaya, un autre gouffre financier, ne dit-on pas que l'apti vient en mangeant? La direction de la BCRG vient de le confirmer avec l'achèvement des travaux de construction du chantier situé dans Ketaya et dont les travaux parachevés par l'entreprise Sogefel auraient coûté en tout la bagatelle de 90 milliards de francs guinéens, alors que les 87 milliards retenus comme le coût des travaux au départ suite à l'appel d'offres dont l'entreprise adjudicataire était Impact Afrique était censé avoir été aussi déboursé par le contribuable. L'opinion a grand besoin de savoir ce que ce chantier a coûté en tout à la BCRG, ce que les sociétés, à savoir Impact Afrique, Capres et Sogefel, ont réellement pompé chacune dans ce magot destiné à financer ce chantier. En évoquant ce dossier, on sent à plein nez les soupçons de double emploi. Voilà, ça fait tourner la tête tout simplement. Il revient donc à monsieur le gouverneur de la BCRG et à ses services compétents d'éclairer l'opinion sur ses comptes et mécomptes de son institution. Là aussi à suivre la première livraison de l'enquête préparée par Mamadou Houry Diallo, notre limien chef.
On se fait long là-dessus, c'est important. Justice attendue ce lundi 16 octobre 2023. L'audience d'ouverture du recours introduit auprès de la Cour de justice de la CEDEAO par des opposants contre l'État guinéen, consécutivement aux graves violences qui ont émaillé l'élection présidentielle de 2020, un scrutin à l'issue duquel, il faut le rappeler, l'ex-président Alpha Condé s'était offert un troisième mandat. Il s'agit de Dr Ibrahima Sherif Ba, Sellou Baldé, Abdoulaye Ba, Étienne Soropogui et Ousmane Gawal Gallo, à l'époque des faits, tous membres de l'UFDG et de l'ANAD, la coalition politique qui soutenait la candidature de l'âge Sellou Dalein Diallo à cette élection. Une élection en marge de laquelle ses opposants avaient été arrêtés et détenus 9 mois durant, voire plus pour certains d'entre eux, à la maison centrale de Conakry. Pour rappel, la justice guinéenne les avait poursuivis, entre autres pour des faits de fabrication, acquisition, stockage, détention, usage d'armes légères, de guerre, de détention de munitions, de menaces et d'associations de malfaiteurs, violences, atteintes volontaires à la vie, troubles à l'État par dévastation et participation à un mouvement insurrectionnel. Depuis cette époque, ses opposants avaient assigné l'État guinéen devant la Cour de justice de la CEDEAO dans le cadre d'une procédure accélérée pour s'insurger contre la violation de leurs droits élémentaires, les conditions inhumaines, indignes et dégradantes de leur arrestation et de leur incarcération, ainsi que le caractère, et dit-on, arbitraire de leur détention. Ce recours restait-il en souffrance par devant la Cour de justice de la CEDEAO? Que réclament concrètement ces acteurs politiques? Et quid du cas Ousmane Gawal Gallo, qui entre-temps est devenu membre du gouvernement de transition? À suivre donc l'interview du début de semaine avec Maître Amadou Diallo, avocat de l'UFDG, avec lequel donc nous profiterons pour évoquer aussi l'affaire Air Guinée, l'affaire du domicile de la Sellou Dalein Diallo. Le recours aussi a introduit, deux autres recours introduits devant la Cour de justice de la CEDEAO. Et puis, cette marche de protestation qui a lieu ce lundi à Conakry, à l'appel du syndicat de la presse privée de Guinée contre les restrictions dont ont souffert les médias en ligne, en l'occurrence guinematin.com et inquisiteur.net, dénommé Assaut de la dignité. Cette marche devrait partir du rond-point du port autonome de Conakry pour le grand carrefour Makiti, là où même s'est tenue une impressionnante parade militaire à l'occasion de la célébration de l'an 65 de l'indépendance de la Guinée. L'OSPPG, organisateur de cette marche, annonce que la dite marche vise notamment à libérer le site d'information guinématin.com. Ce média en ligne est illégalement et injustement bloqué par Ousmane Gawal Diallo, selon donc le SPPG. Toutes les dispositions ont-elles été prises pour la réussite de cette marche? Qu'est-ce qui est prévu à cette occasion? Nous allons appeler dans cette émission Sekou Diamal Pendessa, secrétaire général du SPPG. Voici donc le visage de ce numéro de Mirador en ce lundi. Encore une fois, merci d'être à bord. Bienvenue à tous et à toutes. Passer sous nos fourches cordées, perché sur notre mirador en ligne de mire, concussionnaire. Des prédateurs et prévaricateurs passés sous nos fourches cordées. Guinéen est fier de notre histoire. Guinéen est fier de notre culture. Guinéen est fier de notre unité. Dans la richesse de notre diversité culturelle, nous trouvons notre force. Le 2 octobre, nous célébrons notre cher pays. Le 2 octobre, nous célébrons nos traditions. Chacun doit jouer un rôle essentiel dans la construction de notre avenir. Bonne fête nationale. Bonne fête nationale. Thank you.
Avec Milkana, vivez des moments de bonheur et de douceur avec vos enfants. Offrez-leur le meilleur, les délicieux desserts Milkana. Découvrez leur nouvelle recette extra crémeuse, source de protéines, avec de vrais fruits mixés et du bon lait de vache. Comme avant, ils vous accompagnent toute la journée, même hors du frigo. Milkana, la force du lait, la force de l'amour. Le groupe scolaire La Licorne, si au quartier Yimbaya Bougie dans la commune de Matoto, vous ouvre ses portes dès la prochaine rentrée des classes. Constitué d'une crèche, de toutes les sections de la maternelle et du cycle primaire, avec à la clé des enseignants compétents. C'est des salles de classe spacieuses, aérées, décorées et climatisées, dotées de tableaux bancs. C'est aussi des dortoirs, avec toutes les commodités ainsi que des toilettes d'une très grande propreté. En plus d'un espace toboggan, une aire de jeu en sous-sol des plus modernes de la sous-région. Et une cantine pour la restauration de vos enfants. En plus, la direction de l'école met gratuitement à la disposition des élèves de la maternelle toutes les fournitures durant l'année scolaire. Les places étant limitées et les inscriptions des élèves ayant commencé depuis la première quinzaine de ce mois de juin, rendez-vous vite à la direction de l'école pour connaître les modalités d'inscription de vos enfants. Avec un taux de réussite exceptionnel de 98% à l'examen d'entrée en 7e, 88% au BEPC, ainsi qu'un solide taux de réussite de 62% au baccalauréat guinéen et de 73% au programme français, les écoles Bacan se démarquent par la qualité remarquable de leur formation et la pertinence de leur programme. Situées dans le quartier de Simon Bossia, dans la commune de Ratoma, les écoles Bacan offrent un cycle complet bilingue de la maternelle au secondaire ainsi qu'au programme français, le tout dans... Mirador, tour de chauve. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Encore une fois, merci à vous tous et à toutes. Merci de votre fidélité. Vous êtes aux quatre coins du monde sur www.fumguinée.com ou sur le compte X de notre maison des radios, mais aussi sur la chaîne YouTube de Fume 24. Et vous êtes aussi, et d'ailleurs, plus nombreux sur la page Facebook de Fume Guinée. C'est la bonne nouvelle parce que le direct a repris après donc, tous les efforts déployés par le pool digital et le directeur technique, voilà, qu'il en soit remercié. Merci encore une fois d'être à bord. Manu, bienvenue, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous de Dabola, de Gekedou, de la diaspora. Bonjour à tous ceux qui bienvenue. Nous écoutent et qui nous suivent. Bien, Diaraï, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour à toute ma Guinée et bonjour à la diaspora. Bon retour du Maroc. Merci. Allez, bonjour Madouri. Bonjour l'influenceur ouest-africain, bonjour Agnès Omoridou, bonjour à Kouy, bonjour à Kouankan, bonjour à Komodou. Effectivement, en parlant du Maroc, il va falloir qu'on parle de cette affaire d'AVM au moment venu. Sûr, au moment venu. Parce que ça complique même les voyages professionnels des plus urgents, et bien ça vous bloque. Ouais. Voilà. Mamadou Diam Mbalde, bonjour, bienvenue. Bonjour à Bakar et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bien. Et bien sur l'icône Souma, bonjour Basikolo. Bonjour à Bakar, bonjour à Labessani, bonjour à Bombona, que doyen Diam a pu découvrir là-bas. Ah c'est Fume qui a écouté. Hein. Très bien. Bombona, c'est très bon. Bien. N'est-ce pas? Bien. Voilà. Bonjour à Duria chez la princesse Diallo, notre papa Babin. Très bien. Content depuis combien de jours? Le baptême, le week-end. Hein. Le week-end. Ouais, bien sûr. Donc on est à jeun. On se prépare. On est à jeun. J'apprenais, c'est une information que je tiens du DDR, voilà, qui n'est pas avec nous ce matin, que les travaux pour, en tout cas, la construction du parc. Le parc en face de l'hôtel, plus que en face du palais du peuple, les travaux seraient à l'arrêt parce que quelque chose serait sorti du lac pour en tout cas effrayer tout le monde. Est-ce que vous avez vent de cela ou pas? Oui, bah c'est comme on a parlé. On a tout fait pour joindre. Parce qu'apparemment, voilà, tout le rituel n'a pas été respecté. Oui. N'aurait pas été respecté. Oui, bah c'est comme on a dit. On a tout fait pour avoir Savané de Dalport, mais il prend pas nos appels. Ouais. Voilà. Apparemment, ceux qui y travaillaient ont tous pris la poudre d'escampette. Ah ouais, ils ont fui. Quelque chose est sorti du lac pour dire arrêtez les travaux, c'est pas donc permis. Donc le Basikolo. Oui, mais c'est très sérieux, attention. Ça, ça me fait penser à ce fameux monstre de Loche Ness du côté de l'Écosse. Qu'on dit, il y a des gens qui disent chaque fois je l'ai vu, mais. Ouais. Réellement. Oh, c'est la légende de Minyamba. Le Basikolo est sorti du lac pour chasser les Turcs sur le site. Tout le monde a pris la tangente. Voilà. T'es au sérieux? Oh, bien sûr. Bonjour aux femmes RPG de Gwessia Abakar. Bien. Les femmes RPG de Gwessia. Qu'est-ce que ça veut dire? Après Dabondi, après Gwessia 1, les femmes du RPG ont encore battu les pavés ce week-end. Eh ben.
Mais ça, ça me surprend en direct. Il dénonce l'injustice avec vigueur et réclame le retour d'Alpha Condé. Ces manifs sont très récurrentes. Sauf que sincèrement, ça, ça n'a aucun sens, franchement. Le retour d'Alpha Condé en tant que Guinéen. Non, non, mais en tant que président au pouvoir. Elle n'a pas dit ça. Ben non, c'est ce qu'elles disent. Mais pour le RPG arc-en-ciel, le retour à l'ordre constitutionnel s'assimile à un retour d'Alpha Condé aux affaires. C'est ça le problème. Non, pas forcément. Il y a une mentalité comme ça au sein du RPG arc-en-ciel qu'il va falloir changer. Ah, non, non. Il faut changer. On ne peut pas les obliger à mais ça. Mais si, s'il te plaît, mon cher. En tout cas, ces femmes, ces derniers temps. Il faut tourner la page. Il y a beaucoup de manifestations des femmes. Il faut avancer. Oui. Il faut avancer. Ça, c'est vrai. Allez, il faut avancer. Mayana. Bonjour, maman cabinet. Bonjour, il faut essayer d'avancer dans la vie. Bonjour, Abouakar. Bonjour à tous. Bonjour à mon très cher ami Joachim Baba Bilimolo, qui très est politiste de passage. Eh bien, ouais, c'est important de le politiste. Dire. Politiste. Oui, c'est un. Il y a beaucoup qui ignorent que Joachim est de la première promotion de sciences politiques. Très bien. Hormis son travail de politicien, c'est un chercheur. C'est un chercheur. Ouais. Et c'est très bien que cela soit su du côté de l'UFDG et de partout. Ouais. Ouais. Et bonjour à Gas. Bonjour à Gassama, ouais, dont on a retrouvé une photo récemment. Il est tombé sur une de ses photos à Paris. À Paris, il paraît qu'il est en train d'écrire un bouquin, on ne sait pas beaucoup, tout comme Dr Bano qui a aussi assez avancé sur son livre qui va expliquer un peu ce qu'il a fait dans ses fonctions de ministre. Très bien. Ce sont deux bouquins qu'on attend. Qu'on attend, hein, impatiemment. Auril a réclamé récemment, c'est important que le professeur Alpha Condé écrivent ses mémoires, qu'on sache ce qui s'est passé. Ouais, qui sait si il ne cite à tel pas déjà. Allez, Gassama, pensée positive à lui ce matin. Ouais. L'ancien ministre Khalifa Gassama, il y avait dans nos cœurs. Et pour commencer, la coordination nationale des Foulbeys, Ali Poulard de Guinée, tient deux cérémonies ce week-end, le week-end prochain, pour introniser son nouveau chef, Elhadj Alseni Barry. Oui, Elhadj Alseni Barry, qui est le président de la coordination des Foulbeys Ali Poulard, sera intronisé samedi. Et dimanche. Et dimanche, il y aura deux activités durant cette cérémonie. Ouais. La première aura lieu à Boussoura, à la maison du Fouta, donc le samedi à partir de 10h. Ouais. Et ça sera une cérémonie religieuse de lecture du Saint-Coran. Donc à laquelle la communauté et toute la Guinée sont conviées. Bien. Donc, la cérémonie officielle d'investiture, c'est-à-dire le deuxième volet, lui... La grande cérémonie. La grande cérémonie. Qui va consacrer l'intronisation du nouveau président de la coordination nationale des Foulbeys Ali Poulard de Guinée. Elle est prévue le lendemain dimanche, c'est-à-dire le 22 octobre 2023 au stade Petit Sori de Nongo et à Inger. À partir de 10h. À partir de 10h à Inger d'Arbalète de Film FM ici. Bien, bien. Donc, déjà au niveau de la coordination des Foulbeys Ali Poulard, on est en train de mettre les petits plats dans les grands pour la réussite de cette cérémonie. Ouais. Et vous vous souvenez que la prise, comment dirais-je, La désignation de Elhadj Alseni avait donné lieu à un psychodrame au sein de cette communauté, de cette coordination. Ouais. Mais finalement, l'affaire est dans le sac. Ouais. Finalement, la sagesse l'a emporté. Puisque Onatol avait fini par accepter de se ranger. Oui, monsieur Onatol, un professeur d'université, a fini par rendre les armes et de rentrer dans le rang. Bien. Donc Elhadj Alseni Barry, qui est quand même un oligarque plein aux as, tient aujourd'hui les rênes de cette coordination, de cette puissante coordination. De cette puissante coordination. Et on espère qu'il y aura de l'innovation et déjà des tournées, effectuées par le président en disent long sur un peu ses ambitions. Effectivement. C'est un peu parce qu'il a presque déjà fait le tour de la Guinée. Il a fait le tour de la Guinée et même en dehors de la Guinée. Je l'ai vu à un moment en Sierra Leone. Très bien. Donc, il est un peu dans des initiatives disruptives. C'est très quelqu'un, bien. C'est un homme du renouveau. Ouais. Donc, on espère que ça va aller. Cette coordination bien va contribuer au développement de la Guinée. Et à la cohésion, à la réconciliation. La cohésion et la réconciliation. Bien dit. Oui, l'icône est mot là-dessus. Oui, une grande cérémonie prévue au stade Petit Sori le dimanche. Une grande cérémonie. Le stade même est petit pour ça. Bon. Eh ben oui, vous savez, quand cette coordination
ça mobilise. Ça mobilise. Même si on venait au stade général Alassane Conté, ça pouvait encore refouler le monde. Mais la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc les gens vont se contenter du stade Petit Souris avec cette organisation. Ce que nous apprécions aujourd'hui est que toutes les contestations ont été pratiquement. Les contestations réglées, internes. Internes ont été réglées. Ouais. Et déjà, les gens sont tournés vers l'avenir. Ouais. Et vivement. Une bonne organisation, ouais. Et on fait appel également à toutes les autres coordinations. Oui, bien sûr, parce que c'est ce que dit le communiqué qui a été publié à cet effet, oui. Encore dans la perspective de, ou à l'occasion de cette cérémonie grandeur nature prévue au stade Petit Souris, la coordination nationale des Foulbé Ali Poulard de Guinée invite les fils et filles du Fouta, leurs représentants à l'étranger, la présidence de la République, les membres du gouvernement, les membres du CNT, les acteurs sociopolitiques et toutes les autres coordinations régionales du pays. C'est une affaire nationale, on a vu. Et là, Jacques Sénibari qui a fait le tour du pays, qui a bien vu tous les stages du pays. Et l'image que nous retenons même, c'est son petit passage au chevet de Kassori qui a beaucoup marqué. Donc, comme vous dites que c'est un Guinéen qui réunit tous les Guinéens. C'est un rassembleur. Et c'est un rassembleur. Bien c'est dit. Très important. Allez, donc, on va rester sur cette cérémonie tout le long de la semaine sur nos antennes. Parce que, si tout va bien, donc demain, on recevra M. Onatol dans ce studio, dans cette émission pour évoquer cette cérémonie, et vendredi aussi, on reviendra là-dessus à 48 heures de cet événement. Cabinet, on change de sujet pour et nous intéresser à l'OMVS, l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, un sommet extraordinaire des chefs d'État qui se fait très imminent. Oui, c'est très imminent. Après donc le passage du ministre des Affaires étrangères mauritanien, qui est donc celui qui assure la présidence, plutôt celui qui est donc, vous savez, le ministre des Affaires étrangères. Et au niveau de l'OMVS et puis le ministre, le président de la République, il y a donc la conférence des chefs d'État, il y a aussi celui, celle plutôt des ministres, des ministres des Affaires étrangères. Il ouais. faut rappeler que c'est la Mauritanie hein, qui assure la présidence tournante effectivement, de l'institution. Non seulement de la conférence des chefs d'État, mais aussi celle des ministres des Affaires étrangères. Donc le ministre des Affaires étrangères mauritanien a séjourné ici à Conakry. Ouais. Il a eu une séance de travail à la primature avec le Premier ministre à la présence du secrétaire général de la présidence de la République, plus le candidat de la Guinée au poste au commissariat adjoint de l'institution. Ils ouais. ont donc une grosse séance de travail. Cette séance de travail avait donc pour objectif d'aplanir un peu les divergences pourvu ouais. que la Guinée revienne dans l'institution. Donc la Mauritanie qui a donc un rôle important à jouer dans cette institution-là. Ouais. Il n'y avait pas de raison que la Guinée, qui était partie par deux fois, continue encore à claquer. Continue la de bouder l'institution. Ouais. Que l'institution doit travailler à ce que la Guinée revienne. Et donc, un sommet extraordinaire par visioconférence est prévu soit jeudi ou vendredi. Ouais. Donc, conférence des chefs d'État, à laquelle va donc participer le colonel Mamadi Doumbouya. Ouais. Il sera donc question du retour de la Guinée. Donc, le poste au commissaire adjoint sera entériné, va revenir à la va Guinée. Revenir et puis normalement tout sera mis en route pour que définitivement ce problème soit résolu. Encore une fois, il y a le Mali qui le Mali et le Sénégal qui sont un peu réticents sur la question, mais bon, il n'y a pas de raison que les chefs d'État qui sont donc souverains, c'est eux qui vont décider, comme cela s'est passé lorsque il a été question de créer le haut commissaire adjoint de l'institution. C'est une décision des chefs d'État qui avait donc, à l'arrivée de Guinée, le cabinet Comara, l'ancien premier ministre, lui il était ancien premier ministre, et l'autre ancien ministre des Affaires étrangères. Ouais. Les chefs d'État avaient donc trouver la acté l'idée donc de nommer un haut commissaire adjoint. Voilà, ceci dit, Manu, hein, c'est encore une fois l'OMVS qui s'achemine vers un climat plus apaisé pour se concentrer sur ses objectifs prioritaires. C'est tant mieux parce que c'est une institution qui a devant elle beaucoup de défis à relever. Ouais. Aujourd'hui, hormis évidemment le besoin aujourd'hui de la Guinée qui est un besoin d'un point de vue énergétique, il y a le fait aujourd'hui que le bassin même de l'OMVS s'est rétréci progressivement. Ouais. Le fleuve d'année en année, il est moins dense.
Et je pense que ce sont des défis existentiels même à l'organisation et que des querelles politiques ne doivent pas empêcher de voir. Ouais. Moi, j'ai fait le tour un moment avec l'ex-haut-commissaire, le Malien Semega, je crois, Semega. Oui. Ouais. J'ai fait le tour du fleuve, d'un des bras de mer, d'un des bras de ce fleuve, et pour constater un peu la falémie. Oui, non, au Sénégal et au Mali. Ouais. On a fait les deux pays pour constater justement le défi environnemental auquel l'organisation est confrontée. Ouais. Et je pense que aujourd'hui, c'est ce défi-là qui est le plus important. Si les questions d'ordre politique peuvent être réglées, les questions d'ego entre chefs d'État, ça permet à l'organisation de revenir donc à sa vocation existentielle, qui est d'abord de protéger le fleuve que l'on a en commun. Parce que ce fleuve, vous avez des pays qui en dépendent. La Mauritanie, elle en dépend à 100%. Ouais. Le Sénégal en dépend à 60%. Mmh. Donc, il ne faut pas que les querelles politiques nous fassent oublier que le fleuve est en train de se rétrécir. Ouais. Ouais. Je pense que c'est tant mieux si un arrangement est trouvé. Mmh. Ouais. Pour que, notons tout de même que ce qui se dessine, c'est que la Guinée est sous la voie d'obtenir satisfaction sur ses revendications, notamment le positionnement de ses fils, en tout cas dans les plus hautes sphères de l'institution. Ça va être fait avec la nomination prochaine d'un Guinéen au poste de haut commissaire et la prise en main de manière assez sérieuse de la question de la mobilisation du financement du barrage Koukou-Koutamba. Absolument, il a fallu du lobbying politique, il a fallu que nos autorités au plus haut niveau, le colonel Mamadou Doumbouya, tape du poing sous la table. C'est à saluer. On a salué cela la semaine dernière. Moi, je dis que c'est un résultat d'un point de vue diplomatique qu'il ne faut pas du tout ignorer. Ouais. Parce qu'évidemment, il a fallu qu'il y ait cette pression derrière pour qu'on en soit là aujourd'hui. On a fait le constat quand la crise a commencé que la Guinée n'était à la tête d'aucune des institutions, des quatre institutions qui forment le pays. Alors, vous êtes quatre pays, vous avez quatre institutions, et vous en avez un qui n'est pas représenté. Évidemment que tout de suite, on trouve un déséquilibre. Quand on sait aussi les autres pays, comme quand tu prends le Mali a bénéficié de pas moins de deux barrages. Oui. De l'OMS. C'est pourquoi il fallait c'est qu'on important, en vienne. C'est important. Quels que soient les dessous, il fallait qu'on en vienne là. Que la Guinée aussi puisse un peu tirer profit de sa présence au sein de l'institution. Mais si elle n'en tire aucun intérêt, évidemment que les autorités sont en droit de se dire à un moment aussi. Ouais, de se poser des questions. Yaraï. Oui, quand la Guinée annonçait sa suspension au sein de cette organisation, et l'organisation avait pris acte, et aujourd'hui elle est en train d'œuvrer à offrir à la Guinée ce qu'elle a réclamé, est-ce que c'est pour autant dire que la Guinée avait raison sur ses réclamations? Mais encore une fois, vous savez que la Guinée avait annoncé non seulement sa suspension, mais également le redimensionnement du barrage Koukou-Tamba, qui est un barrage très important, et la Guinée a beaucoup à y gagner si elle gardait la forme initiale du barrage, puisque ça va permettre à la Guinée même d'exporter l'énergie, le courant. Et donc je pense que ça y va dans l'intérêt de la Guinée, sous-région. En tout cas, revienne à demeure sentiment sur ce projet de redimensionnement du barrage. Oui, mais tout est mis en œuvre justement pour que cela n'arrive pas. Et tout je pense fait. Que l'organisation a accéléré les pas pour ne pas que cela arrive, puisque c'est la sous-région ou les pays qui composent l'OMVS qui ont beaucoup à gagner dans ce projet. Et je pense que c'est très bien, il faut saluer cela, puisque la Guinée a démontré encore une fois qu'elle ne va pas cautionner ce qui ne va pas l'arranger, le piétinement de ses intérêts. Et aujourd'hui, l'OMVS est en train de remettre sur la table ses intérêts et même accéder au fait de solder tout ce qu'il a demandé par rapport à cette organisation. Ça, il faut espérer qu'il arrive à trouver un compromis pour pouvoir mettre en exécution tous les projets qui vont dans ce cadre. Qui sont chers, notamment à notre chère patrie. Décès de Youssouf Sampil, on reste avec toi Diaraï, décès de Youssouf Sampil et d'autres hauts cadres. Nous en profitons pour réitérer nos sincères condoléances donc à la famille biologique et politique de ce cadre qui est décédé il y a quelques jours au Maroc. Youssouf Sampil, que nous avons connu personnellement, un homme généreux, un homme au grand cœur, un grand serviteur de la République, donc qui a rendu l'âme il y a quelques jours du côté du Maroc. Cérémonie d'hommage ce week-end au siège du RPG Arc-en-Ciel. À l'occasion, le professeur Alpha Condé est intervenu par visioconférence, en tout cas depuis la Turquie,
pour évoquer en tout cas, la mémoire de Youssouf Sampil. Il accuse le coup d'État du 5 septembre. Oui, bien sûr, Youssouf Sampil, qui était le président du mouvement des 518, ouais. Donc ancien le président, DAF. Le fondateur aussi de Village Prac. Exactement, ouais. Ancien DAF au ministère des TP, militant farouche du RPG Arc-en-Ciel. Donc l'assemblée d'ailleurs du samedi a été consacrée à l'homme, ouais. Puisque un vibrant hommage lui a été rendu. Et du côté de sa famille, la famille mortuaire, les cadres sympathisants du RPG s'y sont rendus massivement pour, ouais, pouvoir témoigner de ce qu'a été l'homme, de ce qu'il a incarné. Bien. Mais encore une fois, le professeur Alpha Condé, pour lui, estime que Youssouf Sampil a été un très grand militant, mais, ouais, qui n'a, je malheureusement propose d'ailleurs, pas si tu permets, supporté, je propose à nos auditeurs d'entendre l'ancien président, le professeur Alpha Condé, qui a évoqué les circonstances pour lui du décès de Youssouf Sampil. Je dois présenter mes condoléances à tous les militantes et militants du RPG, particulièrement à la jeunesse. Youssouf Sampil a été un très grand militant. Malheureusement, l'événement du 5 septembre, et cela lui a porté un coup très dur dont il ne s'est pas relevé. Il n'est pas le seul dans ce cas, mais Dieu ne dort pas. Je demande aux militantes et militants d'être courageux et d'avoir confiance. La jeunesse doit savoir que Youssouf fut un de ses meilleurs éléments. Et j'espère que son exemple sera suivi par toute la jeunesse du RPG. Bien, on vient de l'entendre. Pour l'ancien président Alpha Condé, Youssouf Sampil, tout comme d'autres cadres, éventuellement, on peut se l'imaginer, d'autres cadres de son, qui ont servi sous son magistère, ont été victimes du coup d'État du 5 septembre. Peut-on y croire ou pas? Peut-être bien oui, puisque c'est un homme qu'il a connu. Et il a fallu son décès justement pour que le président, l'ancien président Alpha Condé sorte pour faire ses révélations. Et j'estime que s'il l'a fait par rapport au décès de Youssouf Sampil, c'est pour justement alerter par rapport à ce qui s'est passé. Il était en contact, on peut le comprendre comme ça, avec ses militants et sympathisants pour comprendre suffisamment ce qu'ils traversaient, ouais, ou ce qu'ils ont traversé durant la période du 5 septembre à maintenant, ouais. Donc il peut suffisamment comprendre leur état d'âme, ouais, leur état d'esprit, tout le stress qu'ils ont, parce que toute la déconvenue politique, exactement, on sait quand même que les 518 avaient un mode de vie assez férique, ça, ouais, il faut le dire, puisque en tout cas on a vu comment ils vivaient là, et voir un seul matin que tout cela s'est arrêté, ouais, avec les comptes qui ont été gelés, je pense que, ouais, moralement ça peut affecter, ça peut déstabiliser, ça peut déstabiliser, et peut-être, ouais, bien beaucoup d'autres comme Youssouf Sampil sont encore dans, ouais, cette situation, et, ouais, voilà pour moi l'opportunité pour l'ancien président d'alerter et de faire comprendre, merci, que au-delà de tout ce qui s'est passé, il y a des sympathisants et militants, ou bien des cadres même du parti, qui sont en train de tirer le diable par la queue. Ouais. Mamadou Houry, peut-on donc dire à la suite d'Alpha Condé que le coup d'État du 5 septembre commence à être fatal à d'anciens cadres qui ont servi sous son magistère? D'abord, je voudrais aussi présenter mes condoléances à, ouais, la famille biologique et politique de Youssouf Sampil. C'est quelqu'un que nous avons connu et qui venait pratiquement tous les ans à notre tournoi de football donc des médias, ouais, donc très très porté sur le social, et je pense que c'est ce côté social aujourd'hui qui a pris le dessus sur tous les hommages, dans tous les hommages qui lui ont été rendus. Donc j'ajoute les miens à ces hommages là et lui souhaiter un repos paisible. Ouais. Et en parlant d'Alpha Condé, Alpha Condé mange politique, il respire politique. C'est un animal politique. Comme Gbagbo, je pense qu'il fera de la politique jusqu'à sa tombe. Mmh. Et donc, je n'aurais pas imaginé une autre façon, un autre angle d'analyse de cette situation par Alpha Condé que celui-là qu'il a choisi, mmh, encore ce week-end. À l'image de, malheureusement, ce qui a enveloppé comme ambiance les obsèques de l'ex-première dame Hadia Yenekaba. Vous avez vu comment ça a été aussi politisé de, ouais, part et d'autre. Là aussi, il estime que c'est le coup d'État justement qui a causé ces chocs-là. Mais les proches tout de même de Youssouf pensent que, évidemment, il vivait le stress du fait d'être loin de sa patrie, ouais, encore plus d'être loin
de sa chère maman, parce que c'est quelqu'un qui ne supportait pas, puisqu'il n'en était pas habitué, d'être aussi longtemps éloigné de sa maman. Ouais, de... Maintenant, est-ce qu'on peut dire que forcément c'est le coup d'État qui l'a tué? Sincèrement, je ne peux pas m'y aventurer, mais je ne suis pas surpris par la posture d'Alpha Condé. Ouais. Et au-delà de Youssouf, vous avez vu avant lui, il y a un autre cadre. Donc, Fofana qui était de DG, la Sogi Pami. Ouais. Voilà, DG de la Sogi Pami, Fofana qui est décédé par suite de crise. Ouais. On pense, je parle d'Alpha Condé, que celui-là aussi est décédé à cause de ses coups d'État. Donc, est-ce que je peux imaginer que par la suite, lui qui est en Turquie, il continue à supporter le choc, que d'autres qui sont à l'extérieur subiront les mêmes chocs à cause du coup d'État? Ça dépend de l'angle des uns et des autres. Bien. Mais voilà, quelqu'un me disait que quand il a parlé avec Youssouf quelques jours quand même avant cette nouvelle triste, il avait à la bouche le fait tout simplement d'être assez loin du pays aussi longtemps, de ne pas voir donc sa famille, surtout sa maman. Ouais. Voilà, cabinet. C'est cet angle que je retiens. Cabinet. Ouais, mais vous savez, le changement et la rupture ont des effets et parfois très anxiogènes sur les personnes. Ouais. Vous voyez, lorsque quand même, reconnaître que ça a été un matin douloureux pour toute une administration, tout un establishment qui s'est écroulé comme un château de cartes. Et Bakar, vous voyez, en quelques minutes. Vous voyez cet effet brusque. Ouais. Parce que l'effet de cela, c'est quand même quelque chose. Et Bakar, vous voyez, l'effet brusque, cet effet de surprise est caractéristique du coup de force. C'est ce qui fait sa différence, une des différences avec les révolutions par les populations, les populations qui peuvent par exemple se soulever contre un régime. Ouais. Les coups de force ont cela de spécial. C'est des particuliers. C'est brutal. Ouais. C'est l'effet de surprise. Et cet effet de surprise peut bien évidemment avoir un effet sur ceux qui dirigeaient. Vous voyez, puisque le plus souvent, d'ailleurs, c'est d'ailleurs le cas, le coup de force, c'est contre un régime civil établi. Vous voyez, donc on peut bien comprendre que Alpha Condé choisit ce angle-là. Ouais. Encore une fois. Mais est-ce qu'il a beau jeu de le dire? Est-ce qu'il a raison de le dire? Est-ce qu'on peut, on peut penser aujourd'hui que le coup d'État, plus ceux qui étaient aux affaires hier, plus ils restent éloignés, en tout cas de l'exercice du pouvoir, du confort de rester à des postes de responsabilité, et plus ça commence à faire son effet, un effet parfois dévastateur sur eux, sur leur famille, sur leur vie. Non mais Aboubakar, on peut quand même, est-ce qu'on peut le noter, est-ce qu'on peut le sentir? Oui, non mais en fait quand vous demandez Ouri et moi, on a échangé avec des très proches de Youssouf. Il disait que Youssouf n'a pas arrêté ces derniers temps de dire qu'il ne supportait pas la distance, il ne supportait pas le fait d'être loin. Au même moment, on raconte aussi que Fofana, et la crise, c'est vrai qu'il y a Dieu, mais la crise serait passée par là aussi. En fait, le coup d'État, en ce qui concerne sa mort, il serait passé par là également. Oui, mais vous voyez, c'est tout à fait naturel, Aboubakar. Garay, tout à l'heure, le signifiait. Lorsque vous avez été dans les grâces du pouvoir, lorsque vous avez été avec du monde, ouais, c'est pas tout le monde qui supporte l'exil. Vous voyez, M. Baouri l'a suffisamment rappelé au fil des interviews, tout ce que ça lui a fait comme effet. Alors même que M. Baouri est resté longtemps en France, ça fait de l'effet. Et surtout pour des gens qui n'y étaient pas préparés. Et parce que c'est ça aussi la spécialité des coups de force. Ça peut se comprendre qu'Alpha Condé prennent cet angle-là. C'est un angle qui est tout bénef pour lui. C'est un politicien qui parle. Il va continuer à dire ceci. À surfer là-dessus. Mais Aboubakar, encore une fois, on peut faire une extension à partir de ce cas-là pour dire combien aujourd'hui d'anciens cadres du RPG de l'administration Alpha Condé, tout simplement. Parce que tout simplement, ils n'ont pas leur passeport, ils sont cloués ici à Conakry. Ouais. Il n'y a pas de procès. Ils sont complètement mis à la touche, considérés comme des pestiférés. Et ces gens, Aboubakar, c'est quand même une situation ubiesque, à la limite, et à la fin du compte, insupportable, ces gens sont devenus tous des mendiants. Je vous assure. Oula. Mais je vous assure. Non, pas à ce point quand même. Mais je vous assure. Mais ils n'ont pas de revenus. Ils ne peuvent pas bosser parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas leur passeport. Aucune institution. Leurs comptes sont gelés. Aucune institution sérieuse. S'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de revenus.
leur revenait bloqué. Ils ne peuvent pas trouver du boulot. Aucune institution sérieuse mais ne, non, voudrait, ne, plaît, voudrait, hein. ne voudrait non, les non, embaucher. Non, parce que le ministre... pas d'offense ce matin, mon cher. Parce que le ministre garde des Sceaux, parce que le ministre garde des Sceaux les a mis sur une liste qu'il appelle la liste des 100, de la centaine, 187, les 187 hein. qui n'ont pas été jugés. Et ces gens, le fait qu'ils soient, qu'on leur accuse de crimes de sang, aucune institution sérieuse à Aboubacar ne les embauchera. Ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas accès à leur argent, aucune justice. Il n'y a pas eu un jugement qui a été fait pour dire voici ce qu'on vous solder, reproche pour solder. Et ces gens, je vous assure, mais s'ils n'ont pas de sous, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de boulot, mais qu'est-ce qu'ils devront faire? Ils vont être demandés à Aboubacar. C'est tout naturel. Ben non, je ne me permettrai pas. Non, je vous le dis. Je ne me permettrai pas. Oui, allez, Lincoln. Les anciens cadres traverse des moments très difficiles. Très difficiles. Kabi a dit quelque chose. Moi, je pense ce matin à Dr. Lucine Nabi, ancien gouverneur de la Banque centrale, mais qui est entre quatre murs. Les gens sont poursuivis. Pourquoi? Pour ne rien. Ils ne peuvent pas travailler. Ils ne peuvent pas se promener. Leur honneur est souillé. Il n'y a pas de justice. Ouais. Ils sont condamnés à vivre comme des mendiants. Ça aussi, la réalité. Ouais. Et aujourd'hui, ces messieurs ne fréquentent même pas, n'ont pas d'amis parce qu'on les considère comme des pestiféries. C'est vrai que Claude Kouri-Koudiané est mort, Lucien Kamara est parti, beaucoup aujourd'hui sont atteints d'AVC, d'autres ont vu leurs femmes partir, les enfants sont venus des délinquants, les familles ne gagnent même pas à manger, tout cela parce que ces messieurs, quelque part, sont en train de subir la loi du plus fort. Mais moi, je ne vais pas lier la mort de quelqu'un à ces événements. Mmh. Alpha Condé lui-même, il n'en est pas mort. Il est du côté du Cameroun. Mais attention, mais... Voilà, non. Alpha Condé, c'est un roc, attention. Moi, ouais. Je viens. Mmh. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui retire la vie. Mm. Moi, je ne veux pas dire que monsieur Youssouf Sampil, père à son âme, cet homme généreux, est mort parce qu'il y a eu coup d'État. Parce qu'il y a des gens qui survivent aux catastrophes aériennes, qui tombent dans les avions, en français facile, qui ne meurent pas. Mais quand un jour arrive, que tu sois au palais, ou au bord de la mer, mm. ou dans une plage, ou à la mosquée, oh là là. Tu vas mourir. Oh là là, mais non, mais ne vois pas les choses sous cet angle, mon cher. Non. Nous sommes tous croyants. Oui, bien sûr. Oui, mais... T'es pas plus croyant que nous, ça oh, quand même. Ça n'est pas avocat. Oh. Avocat. Nous faisons de l'analyse politique, mon oui, cher. Oui, on voilà. le fait. Voilà. On déplore la situation dans laquelle ces anciens dignitaires aujourd'hui vivent, sont traités. Ils méritent pas des Guinéens. Si vous les reprochez de quoi que ce soit, la justice est là. Mais ne les condamnez pas à mourir dans la pauvreté. Ne les condamnez pas à ne plus travailler. Il y a un monsieur docteur, chaque fois j'en parle ici, docteur Moustapha Dabou, ancien de PEV, qui a des opportunités, d'autres personnes qui ne peuvent même pas travailler. Je pense à monsieur, comment on appelle, Lilou et autres, mais dont les projets, tout ceci, ont des projets bloqués parce qu'ils sont stigmatisés par une administration, par règlement de compte. Ça, on n'en veut pas penser. Pensons à leur famille. Ouais. Ce qui arrive est déplorable, mais je ne voulais pas qu'on lie la mort de tout ceci, peut-être à ces événements, bien, puisque Dieu, quelque part, nous regarde aussi. Oui, on voit que le président Alpha Condé cherche à tirer des dividendes politiques du décès de cet ancien haut commis de l'État que moi personnellement j'ai pas connu puisque je suivais les événements de manière périphérique étant un homme de desk donc pas très mobile mais en tout cas les gens disent du bien de monsieur Sampil et je crois que il reposera en paix. Maintenant moi je pense que tout ça ça confirme un peu l'absurdité de la vie à Aboubacar. Aujourd'hui, vous êtes en bonne santé. Demain, hein, ça me fait penser à cette petite fille violée et tuée avant-hier du côté de la banlieue de Conakry. Ouais. Elle était venue trouver sa maman à la récréation qui lui a acheté des bonbons plus qu'autre chose à manger. Finalement, on retrouve son corps avec une étranglée dans les toilettes de cette école primaire et qu'on appelle son pari. Donc là, vous voyez un peu le monde. Ouais. Donc la vie est ainsi faite. Je crois que il faut prendre les choses avec philosophie. Certes, la rupture abrupte du 5 septembre aura des séquelles sur ceux qui étaient là, parce que le lendemain ils avaient leur projet, mais finalement ils se retrouvent là. Ouais, tout ça fait partie. Et on doit. Ils ont vu tout partir. On Biberine, doit aussi en quelques minutes en tirer les leçons. Ouais. Pour éviter des compromissions. Parce bien. Que sinon, ça finit comme merci ça. Merci bien. Oui, Manu. Je pense que, en tout cas, comme Kabiné et les autres, que le coup d'État du 5 septembre, évidemment, n'est pas resté sans séquelles sur les mentalités, sur la vie, le moral de ceux qui tenaient le pouvoir jusqu'au 5 septembre 2021. Parce que. J'ai suivi, par exemple, la maman de feu Youssouf Sampil, père à son âme. Je l'ai entendu hier dire que
son fils ne partait jamais travailler le matin sans passer la voir, la masser et puis ensuite lui dire au revoir avant d'aller travailler. Ouais. Ça témoigne un peu de l'attachement qu'il avait de sa mère. Et puis d'un seul coup, le 5 septembre 2021 jusqu'à aujourd'hui, il ne peut pas la voir, il ne peut pas la toucher. Ouais. Oui, on peut comprendre qu'il y ait un effet mentalement dévastateur. Un effet psychologique dévastateur. Oui. Ça peut bien l'atteindre de ce point de vue. Maintenant, après tout, comme l'a dit le doyen, la vie aussi, elle appartient à Dieu. Il la donne, il la reprend quand il veut. Mais je crois qu'un coup comme celui du 5 septembre ne peut pas être aussi sans conséquence. Il ne peut pas rester sans conséquence. C'est le moins ce qu'on puisse dire. Mamadou, pour en terminer, en 30 secondes. En fait, je voulais juste rebondir sur la parenthèse des comptes gelés dont Kabine a parlé. Je dis juste quelque chose comme ça. Depuis tout ce temps que leurs comptes sont fermés, Aboubacar, imaginez tout le magot qu'il a dans les comptes de tous ses anciens ministres. Si jusqu'à 2 ans après, on n'a pas pu justifier de l'aspect illicite de ces montants-là qui leur appartiennent. Pourquoi ne pas rouvrir ces comptes? Ouais. Parce que tout simplement aujourd'hui, ça peut participer, si vous voulez, à dynamiser la circulation de l'argent, de l'économie. Parce que ces gens, ils utilisent leurs comptes, ben, ils font des achats, ils font des opérations financières. Ouais. Ben, ça contribue. C'est ce que Brice a fait du côté du Gabon, parce qu'il a ramené beaucoup d'argent dans les comptes de l'État gabonais. Si vous accumulez tout ça, ça fait des milliards bloqués qui ne circulent pas, qui ne travaillent pas. Bien. Allez, ce qu'on pouvait dire pour cette première partie de notre émission, on va revenir après notre écran pub et un point info avec la rédaction. On revient à 9h pour évoquer cette marche dite assaut de la dignité qu'organise le SPPG, donc marche à laquelle le SPPG appelle tous les journalistes pour tout à l'heure à partir de 10h, une marche qui partira du rond-point du port autonome de Conakry à la place au carrefour Makiti et à suivre nos deux dossiers d'enquête sur les 6 milliards de francs guinéens laissés dans les comptes de la BCRG par l'ancienne administration de l'Assemblée nationale et sur les comptes et mécomptes de la BCRG. Vous en saurez tout dans la deuxième partie de cette émission avec notre lumière chef, Mamadou Houry Diallo. Des installations impeccables, équipées de manière moderne. Chez les écoles Bacan, l'excellence est synonyme de rigueur. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au plus 224 621 43 71 44, plus 224 611 00 54 73 ou le plus 224 625 35 35 10. Attention, la date butoir de la vente des vignettes TUV est presque arrivée. C'est le 15 octobre 2023. Passé ce délai, tout achat de vignettes TUV sera majoré d'une pénalité de 25% conformément à la réglementation en vigueur. Pour payer vos vignettes TUV, tapez par Orange Money, étoile 144, étoile 4, étoile 8, étoile 4, dièse. Par Mobile Money, tapez étoile 444, étoile 4, étoile 6, étoile 3, dièse. Par Crédit Rural, tapez étoile 1111, dièse. Allez donc vite acheter vos vignettes pour éviter les ennuis avec les agents de la Direction Générale des Impôts et la Police Routière. Ce spot vous est présenté par DSD Guinée en collaboration avec la Direction Générale des Impôts. Guinéen est fier de notre histoire. Guinéen est fier de notre culture. Guinéen est fier de notre unité. Dans la richesse de notre diversité culturelle, nous trouvons notre force. Le 2 octobre, nous célébrons notre cher pays. Le 2 octobre, nous célébrons nos traditions. Chacun doit jouer un rôle essentiel dans la construction de notre avenir. Bonne fête nationale. Bonne fête nationale. Vous cherchez une école qui forme bien et qui répond aux exigences éducatives dans un monde en pleine mutation? Choisissez l'école franco-guinéenne Djandjan, un établissement scolaire moderne qui s'inscrit dans le renouveau pédagogique et le retour aux fondamentaux de base, à savoir une sélection rigoureuse d'enseignants expérimentés, conscients du caractère fondamental de la promotion et de l'excellence académique. À l'école franco-guinéenne Djandjan, nous promouvons une coéducation école-parents pour le préscolaire, une
expertise avérée dans la petite enfance avec des locaux ultra modernes et des équipements scolaires aux normes internationales. Chez nous, l'initiation à l'outil informatique commence dès la maternelle avec des logiciels ludiques et éducatifs. À partir de 5 ans, l'anglais est enseigné à tous les niveaux. À l'école franco-guinéenne Djanja, nous disposons également d'un terrain de sport, une aire de jeu, une cantine scolaire, une infirmerie, une salle informatique, une bibliothèque physique et une crèche. Un pool de formateurs qualifiés tourné vers le renforcement des matières fondamentales avec une mission, préparer les élèves à réaliser leur meilleur parcours. À l'école franco-guinéenne Djanja, nous utilisons un logiciel de gestion d'école permettant aux parents d'élèves de suivre régulièrement leur enfant à distance et contrôler leur retard, absence et même leur rythme de révision à travers le téléphone. Les inscriptions ont déjà commencé car nos effectifs par cycle et par classe sont limités. À l'école franco-guinéenne Djanja, nous construisons l'excellence au cœur de l'éducation. Welo welo aduna tingi tingi kino yiri salam lemune salam pom no kasahara ko salam mango angkali salam punye no hey fi hono hina salam jillado eme joni non ko hondu buranio hi ko no min kala ko ni ji salam no wela la match salam julie gefi kala ko yidu donko salam souriez à la vie. Pour assurer une meilleure rentrée scolaire à vos enfants, profitez de l'offre spéciale prêt scolaire de la Banque Sahélo-Saharienne BESIC Guinée. Empruntez jusqu'à 15 millions de francs guinéens au taux exceptionnel de 0% remboursable sur 10 mois. Les prêts sont disponibles dans les 48 heures après le dépôt des dossiers au complet. Rendez-vous vite dans l'une des 15 agences BESIC à travers le pays. Un service personnalisé vous y attend. BESIC, une vision, un instrument. Oui ? Oui, oui. Non, ne t'inquiète pas. Je ne vais pas oublier. Tout va bien, le cheval ? Les enfants là vont me rendre fou. C'est bientôt les vacances et je ne sais même pas où avoir les cadeaux que j'ai promis. C'est tout ? Mais comment ça, c'est tout ? C'est un casse-tête de trouver tout ça dans ce pays. En vrai, tu n'as pas de problème. Va à Mediaset Plus et tu me remercieras plus tard. Ah bon ? Taxi, centre moteur, boutique Mediaset Plus. Boutique Mediaset Plus ? Oui. Programme, toi tu connais les bonnes choses, hein? Ah bon? Oui! Super! Voisin! Oui, Voisin! Toi aussi ici? Effectivement! Je suis venu réparer mon téléphone qui est totalement abîmé. Apparemment, je suis le dernier à connaître les bonnes choses, quoi! Oh là, vraiment, Voisin! Vente, troc ou réparation, chez Mediaset Plus, nous vous garantissons un service complet. Mediaset Plus, le numéro 1 des appareils électroniques et accessoires en Guinée. Mmh, le vrai goût de la nature. Alors, vous êtes plutôt salam orange, salam pomme, non, salam mangue peut-être, et salam ananas, pourquoi pas salam multifruits. Mais vous aussi, finalement, vous préférez quoi? Moyen, hey, j'aime tout, tous les jus salam, j'adore. Salam, des jus de fruits naturels pour tous les goûts. Salam, souriez à la vie. Girite girere la dia. Ora il est salam le monetale du mayenge. Salam pomdo. Il est fana. Salam mankorontaro. Mais qu'il y a des salam qui avait vitali do. Mon ami n'a pas de salam otaro. Il le connaît. Connais ma connaît votre pas. Il est mon cobotou. Abe, juste salam, bête du manye. Salam, guide guinanama, dias, mais de la renée maintenant. Salam, souriez à la vie. La Guinée se dote de classes préparatoires. Oh, vraiment? Allô? Oui, mon fils. Ça va? Ça va bien? Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous, là, tout le temps, c'est comme ça. Problème de l'école, problème de dépenses. Maintenant, vous rejoignez.
Camara est toujours maintenu en détention suite à l'appel interjecté par le parquet de la CRIEF. L'ancien président de l'Assemblée nationale va devoir patienter à l'hôpital de l'Amitié sino-guinéenne puisque l'appel fait par Lazare Bourré, un des substituts d'Ali Touré, n'est jusqu'ici pas transmis à la chambre d'appel de la CRIEF par la greffe. C'est ce qu'a confié un des avocats de l'ancien député à Mosaïque Guinée. Michel Kamano, accusé aussi dans ce dossier de détournement de deniers publics, a lui bénéficié d'une autorisation de sortie du territoire pour un mois pour se faire soigner en France. Le procès est renvoyé au 16 novembre prochain. À Boké, le collège Filira, situé dans la commune urbaine, se trouve dans un état piteux. Cet établissement scolaire où ont étudié plusieurs cadres du pays a cédé sous le poids de l'âge. L'un des bâtiments de l'école est décoiffé par un vent violent. Les autres blocs sont aussi dans un état de dégradation. Si des dispositions urgentes ne sont pas prises pour refaire cette école située dans le quartier Filira, le mur risque de s'écrouler sur les apprenants, alerte le principal du collège Filira. Sur le continent, en République centrafricaine, une enquête a été ouverte par la section des recherches d'investigation suite à la disparition ces derniers jours de responsables d'une entreprise de crypto-monnaie. Les clients centrafricains de la clé du succès sont inquiets. Selon de nombreuses sources, les disparus ont emporté avec eux plusieurs centaines de millions de francs CFA. Et puis en interactualité, l'armée israélienne a indiqué ce lundi 16 octobre au matin qu'elle s'abstiendrait de frapper en matinée les couloirs d'évacuation reliant le nord au sud de la bande de Gaza au moment où elle prépare une offensive terrestre visant le Hamas au pouvoir. Il n'y a donc pas de cessez-le-feu à ce stade entre le Hamas et Israël. C'est la fin de ce chef de l'actu. À tous, merci de l'avoir suivi. À venir tout de suite, la suite de votre émission Mirador. Un million. Bien, ça va marcher. Super! Ndar, salam alaikum. Alex, ah, allez, voyez. Non. Araba. Voilà, tu es. Tu es là. En abeyina ma aloku wonga bay konto fil modernima e do akire kerenya a konkon e wa mana kan goma asga direct asagora kan yuma ku yofure yete mu minima direct do ta mana kulo a di ma di maso imaso riela étoile 11 11 10 OK 10 OK abara fega abara yo taranda ki ayo me sonera ameri do sonia bela genara crédit de la Guinée ana crédit money la Guinée be wone fulugi crédit rural de Guinée ensemble travaillons pour notre réussite. Tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo.
Deuxième partie des Mirador. Dans un court instant, la parole à Sekou Djamal Pendessa, secrétaire général du SPPG. Le SPPG qui appelle à une marche dite assaut de la dignité pour s'insurger contre les restrictions qui ont été imposées, dont ont souffert des médias en ligne récemment. En l'occurrence, guinematin.com et inquisiteur.net. Et une marche donc qui, selon nos informations, vient de débuter. En tout cas, le rassemblement au rond-point du port autonome de Conakry aurait débuté. Mais dans quelles circonstances, dans quel climat, est-ce que toutes les dispositions ont-elles été prises pour la réussite, d'abord pour la tenue et la réussite de cette marche? Et qu'est-ce qui est prévu à cette occasion? On en parle d'un moment à l'autre avec Sekou Djamal Pendessa, que nous allons appeler dans cette émission. Notre invité dans la troisième partie, c'est bien entendu Maître Amadou Diallo, avocat de l'UFDG. Je vous en parlais depuis le début, attendu ce lundi 16 octobre, l'audience d'ouverture du recours introduit auprès de la Cour de justice de la CEDEAO par des opposants contre l'État guinéen, consécutivement aux graves violences qui ont témoigné la présidentielle de 2020, un scrutin à l'issue duquel l'ex-président Alpha Condé s'était offert un troisième mandat. Il s'agit de Dr Chérifa, Selou Baldé, Abdoulaye Ba, Étienne Soropogui, Ousmane Gawal Diallo, à l'époque des faits, tous membres de l'UFDG et de l'ANAD, la coalition politique qui soutenait la candidature de l'âge Selou Dalein Diallo à cette élection, une élection en marge de laquelle ses opposants avaient été arrêtés et détenus 9 mois durant, voire plus pour certains d'entre eux, à la maison centrale de Conakry. Des opposants donc qui se retournent aujourd'hui contre l'État. Ce recours restait-il en souffrance par devant la Cour de justice de la CEDEAO? Que réclament concrètement ces acteurs politiques? Et quid du cas Ousmane Gawal Diallo, qui est entre-temps devenu membre du gouvernement de transition? Nous poserons ces questions à Maître Amadou Diallo, avocat de l'UFDG. Nos deux dossiers d'enquête consacrés d'une part à l'affaire des 6 milliards de francs guinéens laissés par l'administration d'Amaro dans les comptes de l'Assemblée nationale. Avec ces questions, la sortie des 6 milliards de francs guinéens que l'ex-président de l'Assemblée nationale dit avoir laissé sur le compte de l'institution a-t-elle été avalisée par les nouveaux maîtres du pays? À quelle fin cet argent a-t-il été dépensé? Les nouvelles autorités daigneront-elles un jour faire la lumière, toute la lumière, sur comment cet argent, ce montant de 6 milliards de francs guinéens, a été dépensé? Des interrogations sur la table. Chantier de la BCRG, les comptes et mécomptes de la caverne d'Ali Baba. Décidément, le nouveau gouverneur de la BCRG, Dr Kramo Kaba, et son équipe ont l'art de voir les choses en grand, même si cela peut parfois coûter les yeux de la tête. Et comme c'est le cas, tenez-vous bien, du changement d'architecture relatif à la configuration intérieure de l'immeuble en chantier de 12 étages appartenant à l'institution bancaire située en face de l'hôtel Kaloum en vue de sa réorientation à l'usage final, avec en sus l'ameublement des locaux, ce qui fait dresser les cheveux sur la tête à plus d'un contribuable dans cette affaire immobilière. C'est bien entendu le coût de l'avenant qui serait compris entre 200 et 240 milliards de francs guinéens, soit plus que le coût global du chantier. Et il sera également question du chantier de Keta, un autre gouffre financier. Vous en saurez tout sur ces deux dossiers donc concernant la BCRG avec Mamadou Houry Diallo, notre limier en chef. Avant donc de nous rendre du côté du rond-point du port autonome de Conakry, où le rassemblement semble déjà avoir commencé dans le cadre de cette marche dite assaut de la dignité, à l'appel du SPPG, on va faire lecture de quelques réactions rapidement avec, pour commencer, Siradjo Sunkin Diallo. Bonjour Mirador, le CNRD ne s'améliore pas, plutôt il se dégrade de jour en jour. Rares sont désormais les Guinéens qui gardent espoir de quoi ce soit sur cet énième épisode. Bah Chérif sur Facebook, bonjour à la grande radio du peuple et aux vigies de la démocratie, la radio du peuple par le peuple et pour le peuple, soutien total au syndicat de la presse qui réclame haut et fort la liberté totale de la presse. Nous invitons la presse à une synergie pour l'acte 2 de ses revendications. Allez, je continue toujours sur la sélection proposée par Ibrahim Assila. Diallo Degemakole, salut Aboubakar. Aboubakar, l'arrivée du colonel Mamadi Doumbia au pouvoir a suscité de l'espoir et l'enthousiasme au sein de la population. Et bien, depuis que son gouvernement a abandonné de travailler et s'occuper de la politique, la frustration commence à régner au cœur des Guinéens.
Cet autre aussi, c'est Kalidou Barra. Bonjour Titi à toute l'équipe de Mirador, singulièrement aux journalistes du Bas-Peuple, Lincoln Souma. La CRIEF aura de la crédibilité aux yeux de l'opinion lorsqu'elle va s'intéresser à la gestion de la Grande Muette, car il y a à manger et à boire de ce côté. On continue avec Sampolia Fode Bangali Fofana. Bonjour Aboubakar. Aboubakar, à quand ce remaniement ministériel? Nous demandons au lion noir du palais M5 de procéder à ce remaniement ministériel comme l'ont fait ses homologues du Burkina et du Mali, et nous attendons impatiemment l'installation de FIM 24, Sampolia Fode Bangali Fofana, qui nous a envoyé ce message. Cet autre aussi, c'est Lamine Philo Kalé. Bonjour Mirador, et j'adresse mes sincères condoléances à la famille de M. Youssouf Sampil et ses proches, qu'Allah l'accepte dans son paradis éternel. Billy Nankuma Kondé qui nous écrit également ce matin. Bonjour Mirador. Le retour au pouvoir du président de la République, l'élu du peuple, le professeur Alpha Condé, est bel et bien possible car il n'a jamais démissionné et son mandat court jusqu'en 2026. De nos jours, son peuple le réclame partout. Tiyan Barry de Kobaya aussi qui s'exprime. Bonjour les 8 cylindres du système médiatique de la Guinée. Merci. Tiyan Barry de Kobaya, le Kuntigi de la Basse-Côte, Aouakar, affaire Amadou Damaro, nous ne comprenons rien car nous avons appris qu'il était libre mais reste toujours en prison. De l'autre côté, nous voyons de plus grands bandits qui ont détourné des milliards qui circulent sans inquiétude. Abdourahmane Sinkin Diallo qui s'exprime aussi. Bonjour Titi National. Alpha Condé, c'est du passé. Malgré les errements du CNRD, malgré le caractère régionaliste et foncièrement autocritique du régime actuel, nous préférons de loin le colonel Mamadi Doumbouya au dictateur Alpha Condé qui a été le premier à organiser un coup d'état constitutionnel. Encore pour une minute pour essayer donc de prendre le maximum. Ali Moussank, bonjour. Dites à Ousmane Gawal, la presse n'est pas l'ennemi de l'État. Lorsqu'on s'engage dans la vie politique, il faut qu'on accepte les critiques. Merci pour la compréhension. Ali Moussank de Sikora UFDG depuis l'axe de la démocratie. Lolou de Colère aussi qui est à l'écoute. Bonjour Titi, bonjour à toute l'équipe. Tout mon soutien au syndicat de la presse, ça doit cesser et nous disons non à la restriction donc, de la presse. Lolou de Colère donc, qui revient au devant de la scène. Bonjour Aboubakar à toute l'équipe. Alpha Moussama Kadjabi qui est à l'écoute. Le décès de Youssouf Sampil est une perte inestimable pour ce pays. Le chef du village était un homme disponible, généreux, religieux et très attentionné. Certes, il va manquer à ses proches et à sa famille physiquement, mais restera jamais dans nos pensées et prières. Youssouf est un véritable élément de Dieu. Que son âme repose en paix. Toutes mes pensées à sa chère maman, Adja Salematou Diallo. Allez, cet autre aussi, c'est Mohamed Fofana du RPG Arc-en-Ciel. Qui dit quoi exactement? Bonjour Mirador, mon grand frère, mon ami, mon mentor et mon fils Youssouf Sampil est tombé les armes à la main. Je retiens de lui la loyauté, la fidélité, la générosité et la sincérité en amitié. Le virus du stress a eu raison d'Youssouf Sampil. Les mesures d'interdiction qui pesaient sur lui sont levées. Il va librement revenir sur la terre de ses ancêtres afin de rejoindre sa dernière demeure. J'ai une pensée pieuse pour ses anciens Okad qui vivent dans le même stress. Ils sont sans salaire et leur compte bancaire gelé sans aucun motif. Mais Mohamed Fofana, totalement inconsolable depuis le décès de Souf Sampil, dont il était très très proche. Soutien total et solidarité à toi, cher ami. Tout comme Alpha Moussama Kadjabi aussi, Bakary Diaby, Aristo Diawara, qui ont été bouleversés depuis donc cette disparition de notre cher regretté Youssouf Sampil. Allez, cet autre aussi qui s'exprime, c'est qui exactement? Bonjour Aboubakar, félicitations au président Ali Poulard pour ses réformes visionnaires qui ont considérablement renforcé l'efficacité et la cohésion au sein de la coordination. Nous invitons tous chaleureusement à se joindre aux cérémonies prévues pour célébrer ses progrès exceptionnels et son investiture. Par ailleurs, mes sincères condoléances à la famille de Youssouf Sampil, un grand ami de la jeunesse. Repose en paix, cher Youssouf Sampil pour le Toro Lissant, qui nous envoie ce message, le patron des auditeurs de FIM Guinée. Deux dernières réactions avant de continuer. Allez, Aboubakar Bigop qui dit quoi exactement? Au nom du président Dr Ousmane Kaba et celui du PADES, nous présentons nos sincères condoléances à la famille biologique et politique de Youssouf Sampil. Le ridicule est que c'est Alpha Condé qui reconnaît la grandeur de Dieu aujourd'hui quand il dit que Dieu est grand.
J'en rigole franchement, cher Oumo. D'abord, en étant croyant, nous savons tous que la mort est une question du jour et elle s'appelle la volonté divine. C'est ce que Alpha Condé devrait comprendre au lieu de chercher à politiser la dépouille de M. Sampil. C'est dommage. Enfin, cet autre... Oui, c'est vrai qu'on a oublié ce sujet aussi. L'intronisation du patriarche de Bémac ici, voilà, sans faire dans le communautarisme. Il y a quand même Manu devait nous en parler ici. J'ai suivi ça hier à la télé. Malheureusement, voilà. Peut-être qu'on va y revenir demain. Pourquoi pas avec notre cher Manu. Allez, est-ce qu'il est déjà là, Sampil, je m'excuse, voilà, Spendessa. Allez, Mamadou Ouri, on apprend que le rassemblement aurait déjà commencé. Peut-être que je ferais mieux de m'adresser à Diaraï, anciennement secrétaire général du SPPJ. Oui, Diaraï. Qu'est-ce qu'on sait à l'heure qu'il fait de cette marche dite assaut de la dignité? Enfin, vous savez que le syndicat avait donné un ultimatum à celui qui se cachait derrière cette restriction imposée au site guinematin.com. Ouais. Et finalement, comme parce il y a que pas... pour Inquisiteur, c'est levé. Oui, c'est, le problème c'est déjà réglé avec le Rémy Guy. Ouais. Donc ça, il faut se féliciter. On attend de voir ce qui va se passer avec Guinée-Matin, puisque c'est un site qui, il y a quelques mois, a du mal à être consulté à l'intérieur du pays, à partir de la Guinée. Ouais. Mais il y a un site miroir qui est mis en place, à disposition, pour permettre aux lecteurs d'accéder au site. Donc, le SPPG a pris son bâton de pèlerin, comme toujours, pour pouvoir sonner la fin de la récréation et demander à ceux qui sont derrière cette restriction de rendre les armes et pour pouvoir permettre au site Guinée Matin d'émettre. Ouais. Et aujourd'hui, le SPPG avait menacé de passer à la vitesse supérieure. Ouais. Et ça, c'est le mode opératoire au SPPG et finalement aujourd'hui c'est la marche qui est prévue. Ouais. Donc le programme c'était justement aujourd'hui le matin le regroupement et après vous savez on peut pas mettre des gens dans la rue sans pouvoir leur donner des consignes pour justement éviter qu'il y ait des débordements et après ils vont quand même se rendre du côté du Carrefour le Makiti où ils vont brandir certainement des pancartes et également tenir la déclaration. Ouais. Mais ça, c'est pour. On va voir s'ils pourront mettre. Ils pourront d'abord se regrouper, se rassembler. Bien. Parce que là. Voilà, vous savez que les autorités à quelques niveaux que ce soit n'ont jamais été tendres envers la presse. Ouais. Et on va voir si cette fois. Les autorités vont être attentives à ce que le SPPG ou tous les journalistes épris de justice vont justement tenir comme discours du côté du Makiti. Bien. Mais encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, nous ne faisons de mal à personne. Ouais. Les journalistes ont un boulot noble. Ils sont là pour informer la population de ce qui se passe. Et dans ce rôle, on ne devrait pas limiter leur champ d'action. On devrait tout simplement les laisser travailler librement. Diaraï, oui. Mamadou Ouri, peut-être que tu t'es informé à la pause. À l'heure qu'il fait, est-ce que nos confrères qui prennent part à cette marche à laquelle le SPPG appelle, est-ce qu'ils ont eu la possibilité de se regrouper, de se rassembler au rond-point du port autonome de Conakry? C'est d'abord le premier défi qu'il faut relever. J'ai eu Sékou Jamal Pendessa en direct. Dans le feu de l'action, il m'a dit qu'ils ont pu se regrouper. Très bien. Et la marche est tellement bien organisée qu'il y a d'abord le regroupement. Après, il y a la liste des journalistes marcheurs qu'on dresse pour savoir exactement, pour les mettre sur ce qu'il a appelé une liste d'honneur. Ouais. Mais en même temps, ça permet justement de savoir exactement ce sont des journalistes qui sont là et qui marchent. Deuxièmement, le partage du mot d'ordre et des consignes et disciplines. Maintenant, Pendessa m'a dit qu'ils ont fait un certain trajet, donc ça veut dire qu'ils ont fait le départ. Ouais. Mais à l'instant où on parlait, les policiers sont presque prêts pour leur bavure, on va dire comme cela. Oula. Parce qu'ils s'apprêtent justement à les empêcher. C'est d'ailleurs le cas. Il y a d'autres qui commencent à me parler déjà d'usage de gaz. Ça reste à confirmer si on a Pendessa en ligne, qu'on a du mal pour l'instant à avoir. Ouais. Alors, ça veut dire déjà que ça commence à mal se passer. Parce que voilà, si Pendessa ou des confrères autour de lui sont à l'écoute, qu'ils veulent bien lui dire de prendre le téléphone. Pour l'instant, du mal à joindre le général Pendessa, voilà, qui conduit cette marche. Oui. Il me dit que les policiers sont en train de les empêcher. Oula. Au moment où je le laissais. Donc, à l'instant où je vous parle, est-ce qu'on les a déjà gazés? Mais j'apprends que dans certains ministères
où il y a des responsables zélés, on dit qu'on ne va pas laisser faire. On est prêt à bastonner les journalistes, à les envoyer en prison. Mmh. Et donc, je voudrais sagement dire à Mamadi, Aboubakar, ce matin. Colonel Mamadi. Ouais. Colonel Mamadi. Ouais. Je reviens. Dieu merci, tous les matins, je monte ici avec son discours d'après prise de pouvoir. C'est-à-dire le discours du 5 septembre 2021. Ouais. Où il disait que le 5 septembre 2021, au regard de l'état critique dans lequel se trouvait notre pays, les forces de défense et de sécurité réunies au sein du CNRD ont pris leurs responsabilités devant l'histoire en décidant de prendre les mains et les destinées du pays. En effet, il a déclaré que notre pays était confronté à une série de crises profondes et multidimensionnelles qui avaient fini par saper les fondements. Les crises dues notamment au dysfonctionnement des institutions constitutionnelles, ouais, l'instrumentalisation de la justice, violation grave et répétée des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Je m'arrête là-dessus. Ouais. Au nombre de tous les mots qu'il a cités. Bien. Tous les mots qu'il a cités, qu'ils ont réunis pour renverser Alpha Condé. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de ces mots en termes de répétition à un niveau plus peut-être aggravé qu'au temps d'Alpha Condé? Je pose, ouais, la question à Aboubakar. Oui. Et là-dessus, je voudrais sagement dire au colonel de faire très très attention. Très attention parce qu'il y a des gens qui poussent des pions, qui sont en train de le faire glisser. Bien. De le faire glisser à ce point-là, ça devient encore plus grave. Parce qu'il y a quoi ? Il l'a dit tout à l'heure, de violent, de façon anticipative dans, ouais, cette marche. Des journalistes. Ouais. Des journalistes, ça. Je pense que normalement, rien, voilà, rien ne devrait vraiment, voilà, empêcher cette marche. Oui, un mot là-dessus rapidement. Le temps pourrons-nous de revenir sur ce sujet vers la fin, en espérant pouvoir parler, bien entendu, avec le général Pendessa. Les journalistes n'ont que leur plume, leur bouche, leur micro pour parler, pour se battre. Les journalistes ne jettent pas de cailloux. On n'a pas de doucette, on n'a pas de char de combat, on n'a pas de fusil. On marche avec nos pancartes pour les maux dont nous souffrons. Aujourd'hui, oui, il y a quelqu'un qui me dit qu'on vient, de les arrêter. Je ne sais pas, il parle de qui. Eh ben, si ce sont les Pendessa, je crois que la personne voudrait qu'on l'appelle. Ça doit être un de nos confrères. Voilà. Bien. Oui, allez, on va rester là-dessus. Donc, si vous pouvez nous aider là-dessus, Mamadouri, pour qu'on puisse vraiment rester au cœur de cet événement. C'est notre confrère, Lansana Kamara de Conakry Live. Bien. Là. Allez, on va essayer de l'appeler ou de joindre un autre membre, un autre haut responsable du SPPG pour nous confirmer ce qu'on vient d'apprendre. Des journalistes prenant part à cette marche dite assaut de la dignité, une marche de protestation contre les restrictions imposées notamment au site Guinée Matin, ont-ils été déjà arrêtés, mis aux arrêts par les services de sécurité? C'est ce qu'on essaie de vérifier. Oui, vous continuez votre ici. Alors, Aboubakar, si aujourd'hui on empêche des journalistes de manifester, de dire les mots dont ils souffrent, c'est encore grave. Je me rappelle, sous Alpha Condé, il y a eu une décision contre la radio Espace à l'époque. Les journalistes ont marché de la RTG en passant par la DPJ jusqu'à la HAC. Ce sont des femmes gendarmes qui, ce jour-là, étaient sur le terrain pour encadrer la manifestation. Mais rappelez-vous aussi, sous le même Alpha Condé, lorsque les journalistes ont été passés à tabac, des matériels détruits, pratiquement à Matam. Ouais. Si de tel cas revient aujourd'hui, ça veut dire que nous sommes encore dans les pratiques du passé. Mais cette presse a résisté au Bakar. Sous Lansana Conté, la presse a résisté. Ouais. Sous Alpha Condé, on a résisté. Sous Mamadi et Doumbouya, ouais, on va résister parce que, allez, on ne fait pratiquement que notre travail. Aujourd'hui, mais on est menacé, les journalistes vont être arrêtés, ouais, et ainsi de suite. Ce qu'on va faire, Likon, avec votre permission, on va se rendre au rond-point du port autonome de Conakry où cette marche était censée démarrer pour continuer sur l'avenue, plutôt le carrefour Makiti, où je rappelle, je le rappelais ce matin, où une parade militaire s'est tenue à l'occasion de la célébration de l'an 65 de l'indépendance guinéenne. On va joindre sans plus tarder Lansana Kamara, administrateur général de ConakryLive.com. Il est en direct. Bonjour, cher confrère Lansana Kamara. Bienvenue. Oui, bonjour à Bakar et bonjour à tous les chroniqueurs et bonjour à vos auditeurs aussi. Bien, dites-nous Lansana, quel est le climat qui prévaut? Avez-vous, qu'est-ce que vous avez constaté au démarrage de cette marche qui était censée donc débuter ou partir du rond-point du port autonome de Conakry? Qu'est-ce qu'on sait à l'heure qu'il fait du déroulé de la tenue, du déroulé de cette marche?
Non, je pense qu'il y a une volonté de tirer la manifestation dans l'Est parce que actuellement nous sommes dans la cité chemin de fer. Il y a beaucoup qui sont cachés à des endroits parce que d'autres ont été interpellés. Il faut rappeler que moi je suis venu au moment où les confrères avaient quitté justement le port. On était au niveau de l'école chemin de fer. Je crois qu'il y a même la direction communale de l'éducation de Kaloum sous les arbres, un peu à côté de la direction des archives, direction nationale des archives. Donc c'est à ce niveau où les policiers se sont massés. Mais ce qu'il faut dire, ce qui est étonnant, c'est que le nombre de policiers déployés pour venir intervenir au niveau de cette manifestation dépasse de loin, s'il faut, de 3 ou 4 fois le nombre de manifestants. Parce que les gens étaient donc un dispositif de sécurité de haut niveau. De haut niveau, impressionnant, avec des gens déployés. Quand j'ai vu, je ne croyais pas, parce que je me dis, mais attends, pour combien de personnes encore, parce que les gens n'ont même pas fini de se mobiliser à ce niveau. Nous, on venait à peine d'arriver. Et au moment où je cherchais justement à garer de quelque part pour venir rejoindre le groupe, j'ai vu des disputes entre le général Pendessa et ses confrères et d'autres, et les policiers. Et c'est à ce niveau où j'ai constaté un des policiers arrêté, il n'a même pas été ordonné. Il a arrêté banalement comme ça, il a été le premier à lancer du gaz. Et lorsqu'il a commencé, un autre a mis, et finalement, même dans la cité chemin de fer, les gens sont actuellement, ma voix est complètement prise, et mon nez est bouché actuellement là où je suis. Et donc ils ont commencé, tout le monde a lancé maintenant pêle-mêle. Et ce qui m'a surpris, lorsque je suis justement au rond-point du ministère de, non loin de la maison centrale, au ministère à côté du ministère de la Jeunesse, j'ai vu une dame policière, albinos, qui disait aux gens de la DPJ, bon, préparez-vous et restez au bureau parce qu'on envoie des prisonniers. Alors là, c'est dire que déjà ceux qui sont arrêtés au niveau de ce rond-point-là, parce que je rappelle que tout le monde a été arrêté au niveau du rond-point du ministère de la Jeunesse, rond-point à côté de la maison centrale. Ouais. Et donc, cette policière-là disait aux gens de la DPJ, écoutez, préparez-vous parce qu'on envoie les policiers, et on envoie les prisonniers. Et donc, c'est ce qui fait qu'actuellement, ils sont en train de voir des visages des gens, et nous, on a accepté à se mettre à l'abri un peu à côté de dans la cité chemin de fer. Donc, avez-vous appris ou pas l'arrestation de journalistes déjà? Je suis parti, quand je suis venu garer dans la cité chemin de fer, j'ai laissé les gens devant la direction nationale des archives. Pour moi, c'était déjà vers le Makiti. Mais arrivé, j'ai trouvé que les policiers ont déjà barré vers la route qui va vers Makiti. Et donc, j'ai vu des gens qu'ils faisaient monter au niveau du rond-point, n'est-ce pas, à côté du ministère de la Jeunesse. Je pense que le mouvement s'est arrêté à ce niveau-là. Parce que là, quand vous partez, il n'y a que des policiers. Et d'ailleurs, j'ai vu beaucoup de policiers. Allons-y, c'est fini. Allons-y. Il y a même une voiture de Adafo Media qui est venue. J'ai vu un policier signaler son confrère, dire, écoutez, il faut les surveiller. Ça, moi, j'étais de passage, il ne m'a pas vu. Il a dit à son ami, il faut surveiller la voiture de Adafo Media qui était de passage. Donc, c'est pour vous dire que le nombre de policiers, encore une fois, je termine par ça, était plus que 2 fois ou 4 fois plus supérieur que le nombre de manifestants. Il n'y avait pas beaucoup de personnes. Ouais, c'est totalement anormal. L'Ansana Camara du site ConakryLive.com en direct depuis le théâtre de cette manifestation, cette marche pacifique sous le sceau de assaut de la dignité. Marche pour l'instant, on vient de le constater, et étouffée dans l'œuf. Allez, est-ce qu'on a merci l'Ansana. On va rester là-dessus. Est-ce qu'on a d'autres infos concernant la situation de haut responsable du SPPG? Y a-t-il eu ou pas des arrestations déjà? Je crois que le message qui m'est arrivé, qui m'a été adressé, est clair. Ils ont été arrêtés. Maintenant, on va chercher le numéro de Pendessa. Je crois qu'il est injoignable à ce stade. Oula. Et l'Ansana vous a dit, il a écouté cette dame dire, préparez-vous, restez à l'intérieur de la DPJ, des prisonniers viennent. Ouais. Et je vous ai dit qu'il y a des zélés dans des ministères qui disaient déjà qu'ils ne vont pas laisser faire. Ça veut dire qu'ils ont préparé la DPJ à recevoir des journalistes prisonniers. Mmh. Donc, Pendessa, en premier lieu, puisque c'est lui le général du syndicat, c'est « je suis complètement dégoûté », tout simplement. Ouais. À Aboubakar. Allez, doyen Mamadou Dian, c'est... C'est quand même, on vire vers l'escalade là. Oui, pour commencer, je vais rappeler cette citation d'Edoui Plenel, le patron des Mediapart, qui dit que le combat de la liberté de la presse est un levier et un levain démocratique. En ce sens, il sera toujours inachevé, toujours en marche,
est toujours bien en chantier. Ce qu'on va faire, voilà, je m'excuse de vous interrompre, parce qu'on me signale que nous avons Sekou Jamal Pendessa, le général du SPPG, en notre compagnie. Bonjour camarade, salut. Bonjour Abakar. Bienvenue. Bien. Dites-nous, décrivez-nous toute l'ambiance qui a prévalu ou qui prévaut depuis que vous avez décidé de lancer cette marche ce matin. Ils nous ont arrêtés là, nous sommes au commissariat de Kaloum, commissariat central. On était au rond-point, ils sont venus nous empêcher pour ne pas qu'on se regroupe là. On a dit aux gens, alors allons à la, au coin de Chine. Donc arrivé à la cité chemin de fer, ils ont bougé, ils ont gazé les journalistes là-bas, tabassé tout le monde. Même les filles n'ont pas été épargnées. Il y a trois qui souffrent énormément ici. On a dit de les envoyer à l'hôpital avant de parler de l'audition là. Donc nous sommes au commissariat central de Kaloum. Oui. Ils ont détruit du matériel, tous des caméras de téléphone. Chacun de nous presque a perdu un téléphone au moins. Moi, j'ai le petit téléphone maintenant là. Vous êtes combien à être arrêté, Pendessa? Est-ce qu'on n'est pas une dizaine? Une dizaine. On est 11. Donc 11 journalistes pendant que nous parlons, à l'heure qu'il fait, 11 journalistes donc mis aux arrêts et retenus dans les locaux du commissariat central de Kaloum. Oui. Malheureusement. Malheureusement. Oui, Lincoln. Oui, mais aucune interdiction n'avait été faite de cette manifestation. Quelle est l'origine de cette bruit ce matin réellement? Bien, voilà, je pense que voilà, la liaison est coupée. Je pense qu'on vient de lui retirer le téléphone. C'est vous qui aviez la parole. Voilà. Cette marche qui va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Il y a les méthodes à la hussarde de nos flics qui reviennent. Ouais. Parce que chasser le naturel, il reviendra au galop. Donc je crois qu'on n'a pas besoin. On devait laisser les journalistes marcher, exulter. Ouais. C'était tout de même une marche pacifique. Donc on va en raviver les braises finalement encore. Et vous savez, cette solidarité des journalistes, quels que soient, les gens finiront par encore serrer les poudres pour affronter la junte qui n'en a pas besoin, je crois. Ouais. Oui, Manu. Je pense que... C'est regrettable ce qui se passe là. C'est plus que regrettable, Abouaka. On n'est pas en train de rendre service au colonel. Ouais. C'est un recul. Au colonel. Parce que, déjà, regardez le climat dans lequel tout cela intervient. Vous avez déjà à couteau tiré les syndicalistes, donc les travailleurs avec lesquels on n'arrive pas à trouver un accord. Et aujourd'hui, on a des sites qui sont bâillonnés, qui demandent juste à être libérés et des journalistes sont arrêtés. Après, vous avez, je ne parle pas de toute la panoplie aujourd'hui de problèmes de la classe politique, des acteurs de la société civile qui sont tous réduits au silence. Je pense que ce n'est pas la vocation d'une transition. Il faut faire attention. Ceux qui sont en train de conduire le colonel sur cette piste ne l'aiment pas, ils ne l'aident pas, ils ne sont pas en train de lui rendre service. Ils ne sont pas ses amis. Et ces policiers qui ont été déployés, moi je pense qu'il ne faut même pas appeler ça dispositif de sécurité, c'est un dispositif de répression. De répression. Un dispositif de sécurité, ça encadre, ça accompagne, ça sécurise. Mais lorsque ça gaze et que ça arrête, c'est un dispositif de répression. On a affaire à un dispositif de répression face à des journalistes qui n'ont que des pancartes et des mots dans leur bouche. C'est un grave recul pour notre pays. Moi, je le disais pendant la pause, il ne faut pas qu'on prenne même exemple sur d'autres pays. La Guinée fait partie des premiers pays à avoir libéralisé les ondes. Et à dépénaliser les délits de presse. Les délits de presse et tout. On a un acquis, un grand acquis. Il faut préserver, coûte que coûte. Sous le professeur Alpha Condé qui a été renversé pour la violation des droits de l'homme et le piétinement des libertés fondamentales, sous le professeur Alpha Condé, je me rappelle qu'on a marché au moins 3 ou 4 fois. Ouais. Il n'a jamais arrêté des journalistes, il n'a jamais gazé. Chaque fois qu'il y a eu des bavures entre les journalistes et les services de sécurité, les journalistes ont pu marcher. Même à Kaloum. Ouais. Les deux régimes. Même à Kaloum, la presse a marché sans être gazée. J'ai couvert. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de violence envers les journalistes, mais quand les journalistes ont décidé de marcher pour protester
Alpha Condé, son régime a accepté. Il a encadré, il a accompagné, il n'y a pas eu de bavure. J'étais à Africa 24, j'en ai couvert au même 3 ou 4. Je sais, je n'ai pas dit le contraire. Donc, c'est pour dire que nous sommes dans un contexte de recul. Si on a voulu, si on en a voulu à Alpha Condé pour le piétinement des libertés fondamentales, lui qui n'a pas empêché une marche des journalistes, et qu'aujourd'hui on en arrive à arrêter des journalistes. Parce que tout simplement, il demande à libérer un site internet qui est délibérément bloqué par l'État. Parce que seul l'État a les instruments pour bloquer un site internet. C'est l'État qui contrôle le trafic internet dans un pays. Il n'y a que l'État pour bloquer un site internet. Quand les gens demandent libérer une entreprise et qu'ils se fassent arrêter, je pense que c'est un recul. C'est dommage. C'est un recul. Le colonel doit se réveiller pour savoir que ceux qui sont en train de lui dire que ça c'est la meilleure méthode, ils sont en train de le tromper, ils sont en train de l'induire en erreur. Ils ne sont pas en train de lui rendre service. Merci. Cabinet, c'est vraiment grave ce qui se passe là. C'est extrêmement grave. Pour peu, si on peut déployer la sécurité et réprimer des journalistes, je pense que ça frise un peu la frilosité. Mais comment comprendre que systématiquement, sous l'ère CNRD, on est frileux. On est frileux quand il s'agit de marche. On n'est même pas en train de parler de mots marche. Non, mais Aboubakar, comme je le disais tantôt, les gens sont frileux. Pour peu, on sort la police. Mais moi, je crois que c'est pas intéressant de voir toutes ces images-là. Des journalistes qui demandent à ce qu'un site soit débloqué, je ne vois pas pourquoi on sortirait des policiers. On n'est pas dans une espèce de sécurocratie où on reprime à tous azimuts. Je pense que le colonel doit pouvoir éviter ce que le doyen appelait la dernière fois ici le biais de l'engagement. Il faut qu'il se lève la tête là. Il faut qu'il lève la tête et qu'il comprenne que des gens sont en train de prendre des décisions. Parce que ce qui s'est passé sur Alpha Condé Aboubakar, des gens ont pris des décisions au nom d'Alpha Condé. Et lorsque ça chamboulé, tous ces gens sont aujourd'hui en train de revenir à dire non, nous n'étions pas là, nous n'avons pas fait ci, nous n'avons pas fait ça. Mais à la fin du compte, il est le seul coupable. Parce que cet engagement dont Ouri rappelait tout à l'heure, du 5 septembre, voyez, les militaires, lorsqu'ils prennent le pouvoir, ils nous promettent vents et merveilles. Ils nous promettent la démocratie, même si cette démocratie a été remise en cause comme modèle de gestion récemment aux Nations Unies. Mais je pense que nous ne sommes pas dans de la démocrature. Il faut éviter ces agissements-là parce que ça n'en vaut pas du tout la peine. Laissez les journalistes dire ce qu'ils pensent. Si des gens se permettent des choses qui sont réprimées par la loi, parce que on peut être journaliste et cela ne fait pas de nous des hors-la-loi. Mais si les policiers qui sont censés et encadrer les manifs, moi j'appellerais même pas ça une manifestation, c'est une marche où des gens veulent protester pour dire mais lâchez le site. Un CNRD, Nicole, on va dire, qui fait bastonner des femmes. Parce que Pénès l'a dit, il y en a trois dames journalistes qui n'ont pas été épargnées dans ces bavures matinales-là. Ces bavures policières. Oui, l'icône pour clore. Et c'est le vieux professeur Alpha Condé qui est en train de sourire, qui regarde à la Guinée, qui voit cette tombeur. Et qui prend son petit lait. Oui. Qui boit son petit lait. Avec les pieds sur la table et qui se moque du colonel Mamadi, le fondateur qui l'a balayé. Malheureusement, cette image est encore revenue. Aboubakar, qu'est-ce qui reste des pratiques du passé? Peut-être que c'est de renommer Alpha Condé comme président, envoyer tous ceux qui sont en prison à leur poste et remettre tout à zéro. Puisque ce qu'on est en train de vivre là, c'est pas... À l'écho 3 de matin, des journalistes avaient été molestés, bastonnés. Donc on ne peut pas demander que Alpha Condé retourne, puisque ce n'est pas exemple. Vous voulez plonger ce pays dans l'obscurité. Ils sont venus pour corriger les erreurs d'Alpha Condé. Ils sont en train de faire la même chose, c'est ce que je dis. C'est ça. Nous, au moins, à son temps, on a marché 2 à 3 fois avant que le cas Matam n'arrive. Merci. Et aujourd'hui, la première marche projetée, tu vois ce que ça fait comme conséquence. Merci. Mais les journalistes ont toujours travaillé dans ce pays, on a survécu à tout, on a quand même surmonté les obstacles et on va rester journaliste pour faire le combat. Bien. Demain, courage. C'est ceci-là,
à la maison centrale, parce que beaucoup sont interpellés, qui vont nous appeler encore pour les défendre. Courage au général Pendessa. Oui, Yaraï. Ce qui reste clair, si vous emprisonnez des journalistes, vous plongez ce pays dans l'obscurité totale. Ouais. Le mieux pour nous les journalistes, puisque l'objectif c'est d'emprisonner tout le monde pour faire taire la presse, il faut peut-être pour tous les journalistes qu'on se rende du côté de la DPJ ou qu'on nous emprisonne tous, c'est tous, mieux qu'on en finisse une bonne fois pour tous. Bien voilà, je pense que le temps qui monte, la presse qui se sent violemment attaquée depuis ce matin, en tout cas depuis que des journalistes ont été arrêtés et retenus dans les locaux du commissariat central, on va suivre cette actualité alors pas du tout reluisante pour l'image de notre pays. On va la suivre en fil rouge sur nos antennes, sur différentes émissions et dans nos blocs info le long de la journée. On va continuer, Mirador. La plus grande tribune politique de la Guinée. L'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journaliste. Quelques réactions en une minute avant d'ouvrir notre premier dossier d'enquête du jour consacré aux 6 milliards de francs guinéens que l'ex-président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, dit avoir laissé dans les comptes du Parlement à la chute du régime d'Alpha Condé. Avec ces trois questions sur la table ce matin, la sortie de ces 6 milliards a-t-elle été avalisée par les nouveaux maîtres du pays? À quelle fin cet argent a-t-il été dépensé? Les autorités de la transition daigneront-elles un jour faire la lumière sur comment cet argent, ces 6 milliards de francs guinéens, ont été dépensés? Des questions auxquelles l'enquête de Mirador, tenue par Mamadou Diallo, va tenter de répondre ce matin. Quelques réactions rapidement avec l'excellent photographe Kaou Diaka, notre ami Kaou Diaka. Bonjour à Aboubakar et à toute l'équipe de Mirador Barakuda. Bonjour spécial à ma sœur Garay Girassi, Aboubakar. Dans ce pays, trop d'injustices, trop de deux poids, deux mesures. Nous soutenons la presse guinéenne, nous les encourageons. Tout ça va finir quand CDD viendra la magistrature suprême. Inch'Allah, nous attendons toujours notre film 24 qui est toujours bloqué. Je ne sais par qui. Allez, cet autre aussi, Moussa Oulé, notre confrère depuis Bamako. Pour le cas de l'OMVS, j'ai publié un article sur Média Guinée concernant les difficultés énergétiques du Mali. La Guinée est le seul espoir du Mali pour sortir de ce problème lié aux coupures de courant à Bamako. Donc le Mali a intérêt de mettre la balle à terre et d'accepter les requêtes de la Guinée au sein de l'institution s'il veut donner du courant à son peuple. Je reviendrai avec plus de détails dans les jours à venir.
Allez, cet autre aussi, c'est qui exactement? C'est Mamadou Siré depuis Fria Taboussi, message transmis par Ouri Abakar. Bonjour et singulièrement à tes collègues de la Maison Orange. On a l'impression qu'il n'y a pas d'autorité à Siguiri. Il y a eu plus d'une dizaine d'attaques dans 2 mois. Je me pose la question, pourquoi maintenir le ministre de la Sécurité à son poste? Siguiri fait partie de la Guinée. À ce que je sache, nous avons des corabiers qui sont dans les gendarmeries, dans les commissariats à Conakry, qui ne font absolument rien d'autre, même rien d'autre. Voilà, c'est Mamadou Siré depuis Fria Taboussi. Cet autre aussi, voilà, l'avant-dernier, c'est sénateur Koza, Bella sénateur Koza. Bonjour Titi, des sources disent que l'argent avait été retiré du compte, mais depuis la déclaration de Damaro, quelques revirements ont été effectués vers ce même compte bancaire. Bonne journée à vous, son excellence. Allez, un dernier avec notre ami Fodé Baldé. Comme un coup de foudre, les Africains se réveillent ce matin avec un petit déjeuner au goût très amer sur la plateforme X, fendu d'un trade. Fadima Diawara, CEO et fondatrice de Kumfabo, annonce la fermeture de la marque de smartphones en Guinée et le licenciement de ses employés suite au non-règlement d'une commande par les autorités guinéennes. L'ANIES, l'Agence nationale donc, d'inclusion économique et sociale, pointée du doigt. Allez, allez, on va ouvrir notre premier dossier d'enquête, Bamé. Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Ogia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. Le temps de, donc, d'annoncer et de planter le décor en ce qui concerne notre premier dossier d'enquête du jour. Je vous le disais depuis ce matin, affaire Amadou Damaro Camara à la CRIEF, la sortie des 6 milliards de francs guinéens que l'ex-président de l'Assemblée nationale dit avoir laissé sur le compte de l'institution a-t-elle été autorisée, avalisée par les nouveaux maîtres du pays? À quelle fin cet argent a-t-il été dépensé? Des questions que l'opinion publique guinéenne continue de se poser. Il faut le rappeler, alpagué et trimballé devant la CRIEF pour un présumé détournement de 15 milliards de francs guinéens des caisses de l'Assemblée nationale, la récente comparution de Amadou Damaro Camara devant cette juridiction spéciale après moult renvois a provoqué toutefois un véritable coup de théâtre. L'homme qui apparemment commence à reprendre du poil de la bête sur le plan physique n'avait rien d'impénitent, écrit Mamadou Jean Baldé, et ses révélations ont plutôt permis d'éclairer de nouveau la religion de la cour sur l'usage de ces fameux 15 milliards de francs guinéens incriminés. Et depuis, les regards se sont rivés vers le secrétaire général d'alors du Parlement, à l'occurrence Dr Mohamed Bereté, chargé d'expédier les affaires courantes à l'époque, avant l'installation du Dr Sakuruma à la tête de l'actuel CNT. De fil en aiguille, nos lumières ont été élucidées sur le fait que les plus hautes autorités du CNRD étaient bien au courant de l'utilisation des 6 milliards de francs guinéens restés sur les comptes, dans les comptes de l'Assemblée nationale à la BCRG. Il apparaît que l'institution se munissait de précautions en soumettant les chèques émis pour tout besoin en termes de dépenses à un comité ad hoc qui avait pris ses quartiers au chapiteau avec comme chef de file le docteur Fodé Cissé, ancien DG de la CNPS. Ce comité, à son tour, remontait, semble-t-il, les dossiers à une commission du CNRD qui regroupait, entre autres, général Sadiba Koulibaly, colonel Amara Camara, colonel Aminata Diallo, etc., etc. La question centrale, donc, les autorités de la transition, donc celles qui sont au pouvoir depuis le coup d'État du 5 septembre, puisqu'elles sont directement concernées par cette enquête, daigneront-elles un jour faire la lumière, toute la lumière, sur comment ces 6 milliards de francs guinéens ont été sortis et comment cet argent a-t-il été dépensé? C'est toute la question, Mamadou Ouri Diallo. Pratiquement, vous avez bien planté, bien planté au point même d'avoir tout dit. Oui. Parce que effectivement, nous avons mené une petite enquête, mais qui va devoir se poursuivre. Effectivement. Mais pour rafraîchir la mémoire collective, il faut rappeler que jusque-là, la CRIEF reprochait donc à Amadou Damaro le détournement de 15 milliards de francs guinéens des caisses de l'Assemblée nationale, et lors donc de sa comparution récente devant la cour donc de répression, il était formel. Au jour du coup d'État perpétré par le CNRD, il a laissé un montant
de 6 milliards, plus de 6 milliards dans les comptes de l'Assemblée nationale à la Banque centrale de la République de Guinée. Ouais. Cette information, vous l'avez suivie, a été confirmée par aussi une enquête de nos confrères de Guinée 7 qui révélait que la BCRG a transféré des relevés qui attestent que ce montant était bel et bien dans le compte de l'Assemblée au moment du coup d'État. Mmh. Et donc, par la suite, il nous a, nous ici, été donné de tomber sur les différents chèques émis sur le dit compte entre octobre 2021 et le 31 décembre 2022. Et puisque les affaires courantes de l'Assemblée nationale à cette époque, avant l'installation de Dr Dansa Kourma et son équipe, étaient gérées par le secrétaire général Dr Bérité, la question qu'on se pose, est-ce que lui, il a pris sur lui la décision d'émettre ces chèques? Donc, ces montants ont-ils été utilisés pour des fins qui ont motivé leur décaissement? Les nouvelles autorités, vous l'avez dit, donc du CNRD au plus haut niveau, étaient-elles au courant de l'émission de ces chèques et de ces dépenses? Ce sont les questions qui se posent. Avant de tenter de donner des réponses que nous avons recueillies, ce serait encore bien par pédagogie de revenir sur ces différents chèques. Ouais. Même si on les a reliés ici la dernière fois. Le premier chèque a été émis le 19 mois 2021, donc le 19 octobre, c'est cela, oui. 2021, il est d'un montant de 52 274 600 francs guinéens. Le second chèque émis le même jour, 19 octobre 2021, il est de 265 715 000 francs guinéens. Pour Pour les dépenses diverses, oui. C'est important. Le premier montant, c'est pour achat, fourniture de bureau. Très bien. Troisième chèque émis aussi le même jour, 19 octobre 2021, pour un montant de 981 420 000 pour des primes diverses d'octobre 2021 des députés. Des députés. Donc, quatrième chèque émis le 29 novembre 2021 d'un montant de 216 900 000 francs guinéens, primes diverses de novembre 2021. Chèque numéro 5 du 29 décembre 2021, 267 500 000 francs guinéens, primes diverses, janvier 2022, dernier et sixième chèque, du 31 janvier 2022, soit 5 jours avant l'installation de l'actuel CNT. Donc 2 milliards 393 280 000 francs guinéens pour le règlement des factures entretien et locaux. Maintenant, en croire un confrère, donc Bella Kamano, qui était du personnel de l'Assemblée à l'époque, ils n'ont reçu aucun montant destiné aux primes du personnel dans ces chèques pour la période indiquée. Il dit aussi qu'il serait témoin que les anciens députés courent jusqu'à présent derrière leurs primes qu'on dit leur avoir pourtant payées. Donc jusque-là, qui courent derrière Dr Dansa Kourma, donc du CNT. À la question de savoir si les plus hautes autorités du CNRD étaient au courant de ces dépenses à l'époque, nos sources sont formelles là-dessus. Une fois que l'institution émettait le besoin en termes de dépenses, cela a été envoyé à une équipe qui était installée donc au chapiteau à la tête de laquelle se trouvait Dr Fodé Cissé, vous l'avez dit tout à l'heure, ouais, ancien DG de la Caisse nationale des provinces sociales. Vous savez, à l'époque, on appelait le chapiteau était assez, si vous voulez, célèbre. On disait qu'il y a une équipe, assez couru, hein, l'équipe du chapiteau. Donc les dossiers y étaient envoyés et cette commission donc regardait les dossiers et après elle donc remontait aussi à une autre commission cette fois-ci ou à un niveau supérieur. Ça, c'est une commission constitué des membres, du CNRD, À la tête aussi de laquelle commission trônait le général Sadiba Koulibaly, qui n'est plus au poste aujourd'hui, colonel Amara, Aminata Diallo, vous les avez cités, etc. Donc ils aussi regardaient les dépenses et consultaient des membres du pool financier. Ça peut être le gouverneur de la Banque centrale, ça peut être le secrétaire général du ministère des Finances, pour voir la conformité. On va dire la conformité, la pertinence de la dépense et tout le reste. Et puis après, c'est donc le CNRD en dernier ressort regarde ces montants et donc valide, on va dire comme cela. Bien, avalise. Avalise les dépenses, puis elles sont exécutées. Donc, si elles ne font pas l'objet d'avis favorables sur toute la, dans tout le circuit, la dépense, forcément, elle n'est pas exécutée. Donc, si les chèques ont été émis et extraits des comptes, ça veut dire qu'il y a eu avis favorable et que, forcément, cette commission du CNRD, au plus haut niveau, a vu les dépenses et donc ne doit pas être surprise aujourd'hui. La dernière question qu'on se pose
Entre-temps, je n'ai pas pu avoir ni Dr Cissé, ni Saliba, ni, pour qu'ils nous disent oui ni ou non. Le général Lamara. S'ils ont appartenu à ces commissions, ils pourront le faire a posteriori, on y est disposé. Bien. La question qui se pose, est-ce qu'aujourd'hui, la CRIEF va, dans sa procédure, entendre Dr Bérété pour ses chèques émis, mais aussi Dr Faudé-Cissé, Dr. Faudé-Cissé et les autres membres du CNRD, s'ils ont effectivement vu ces dépenses se faire. Ouais. Entre-temps, vous avez un message qui vous dit qu'il y a des mouvements suspects en retour vers le même compte. Effectivement. Et ça aussi, on va bien le vérifier. Réabonder. Voilà, c'est, là, c'est l'expression. On va aller auprès de la Banque Centrale pour en savoir. Bien. Merci déjà, Mamadou Riyad, pour cette première livraison sur cette affaire de 6 milliards de francs d'inais laissés sur le compte de la BCRG par l'ancienne administration de l'Assemblée nationale qui a été dissoute à l'arrivée du CNRD. On va rester là-dessus dans la troisième et dernière partie de cette émission. On parle là également de ce recours qui est introduit contre l'État guinéen devant la Cour de justice de la CEDEAO, audience d'ouverture qui a eu lieu à partir de 9h à 10h GMT. On en parle avec notre invité, Maître Amadou Diallo, qui va nous rejoindre dans cette émission. Reviens dans quelques minutes. Oh, vraiment? Allô? Oui, mon fils. Ça va? Ça va bien? Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous, là, tous les temps, c'est comme ça. Problème de l'école, problème de dépenses. Maintenant, vous voyez, la Guinée, en gros, tant qu'on a quelqu'un. Ou à quoi il est lié, hein? Et c'est vrai que l'école, ça défie immédiatement, il dépense sur une gaïra. Voilà, mais. Ah, on a quelqu'un qui a fait un ensemble, sans qu'il s'en ait. Ah, ouais, d'accord. Il y a quelqu'un qui a fait un demi. Voilà, d'abord, c'est ça. 1 million, hein? 1 million, hein? Inga, halo, anak, na deido. Bien, ça va, merci. Super! Ndar, salam alaikum. Ah, à la fois, non. Arabe, vous avez dit. Non, crédit là non à crédit moni la Guinée B et na B Guinée ma alors que Wanga bah il compte fil moi dernièrement il doit qu'il ait créé un Hong Kong il va maintenant quoi ma à ce que direct à ce qu'on a quand il roule ma qu'il faut l'aider mon minima non t'as mon accolo ah tu m'as dit il m'a so rien là étoile 11 10 ok 10 ok. Abara sega? Ah. Abara yo atara ndaki. Ayo. Mais son yana. Ah mais de son yana bela ra. Crédit là de Guinée. Ana crédit moni. La Guinée be. Wone bouleri. Crédit rural de Guinée, ensemble travaillons pour notre réussite.
À tous, bonjour. La marche du syndicat professionnel de la presse de Guinée a effectivement eu lieu ce lundi, mais les forces de l'ordre ont finalement empêché les journalistes de protester contre le blocage du site Guinée Matin. Le secrétaire général du SPPG, joint au téléphone dans l'émission Mirador ce lundi, parle de 11 journalistes arrêtés et retenus au commissariat central de Kaloum. Sekou Diamal Pendessa dit aussi que certains hommes de médias ont été tabassés, d'autres blessés, des téléphones cassés par ces hommes en uniforme. Le porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo est accusé par le SPPG d'avoir illégalement bloqué ce média en ligne. Amadou Damaro Camara est toujours maintenu en détention suite à l'appel interjecté par le parquet spécial de la CRIEF. L'ancien président de l'Assemblée nationale va devoir patienter à l'hôpital de l'amitié sino-guinéen, puisque l'appel fait par Lazare Boré, un des substituts d'Ali Touré, n'est jusqu'ici pas transmis à la chambre d'appel de la CRIEF par le greffe. C'est ce qu'a confié un des avocats de l'ancien député à Mosaïque Guinée, Michel Kamano, accusé aussi dans ce dossier de détournement de données publiques, à lui bénéficier d'une autorisation de sortie du territoire pour un mois pour se faire soigner. Sous le continent, au Cameroun, le principal syndicat des enseignants des universités d'État appelle à son tour à une grève illimitée à compter de ce lundi 16 octobre. Dans l'enseignement supérieur, le mécontentement est notamment lié au retard de versement d'une prime spéciale. Les enseignants demandent aussi une clarté sur l'état actuel de la dette académique et souhaitent la mise en place d'un calendrier de paiement à court terme. Et puis en interactualité, l'opposition pro-européenne obtient la majorité des sièges selon les sondages à la sortie des urnes. La coalition centriste menée par Donald Tusk remporte 248 sièges sur 460 contre 212 sièges pour les populistes du PIS et le parti d'extrême droite Confédération réunie. Des résultats qui doivent encore être confirmés. Hier soir, la coalition civique n'a pas attendu pour fêter la victoire dans son QG2 à Varsovie. C'est la fin de ce Sauf de l'actu à tous. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, c'est la dernière ligne droite de votre émission Mirador avec aux commandes Aboubacar Diallo. FIM FM, de l'info non-stop pour que rien ne vous échappe. Avec un taux de réussite exceptionnel de 98% à l'examen d'entrée en 7e, 88% au BEPC, ainsi qu'un solide taux de réussite de 62% au baccalauréat guinéen et de 73% au programme français, les écoles Bacan se démarquent par la qualité remarquable de leur formation et la pertinence de leur programme. Situées dans le quartier de Simon Bossia, dans la commune de Ratoma, les écoles Bacan offrent un cycle complet bilingue de la maternelle au secondaire ainsi qu'au programme français, le tout dans des installations impeccables équipées de manière moderne. Chez les écoles Bacan, l'excellence est synonyme de rigueur. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au plus 224 621 43 71 44, plus 224 611 00 54 73 ou le plus 224 625 35 35 10. Pour assurer une meilleure rentrée scolaire à vos enfants, profitez de l'offre spéciale prêt scolaire de la Banque Sahélo-Saharienne BESIC Guinée. Empruntez jusqu'à 15 millions de francs guinéens au taux exceptionnel de 0% remboursable sur 10 mois. Les prêts sont disponibles dans les 48 heures après le dépôt des dossiers au complet. Rendez-vous vite dans l'une des 15 agences BESIC à travers le pays. Un service personnalisé vous y attend. BESIC, une vision, un instrument. Attention, la date butoir de la vente des vignettes TUV est presque arrivée. C'est le 15 octobre 2023. Passé ce délai, tout achat de vignettes TUV sera majoré d'une pénalité de 25% conformément à la réglementation en vigueur. Pour payer vos vignettes TUV, tapez par Orange Money, étoile 144, étoile 4, étoile 8, étoile 4, dièse. Par Mobile Money, tapez étoile 444, étoile 4, étoile 6, étoile 3, dièse. Par Crédit Rural, tapez étoile 1111, dièse.
Allez donc vite acheter vos vignettes pour éviter les ennuis avec les agents de la Direction Générale des Impôts et la Police Routière. Ce spot vous est présenté par DSD Guinée en collaboration avec la Direction Générale des Impôts. Vous cherchez une école qui forme bien et qui répond aux exigences éducatives dans un monde en pleine mutation? Choisissez l'école franco-guinéenne Djandjan, un établissement scolaire moderne qui s'inscrit dans le renouveau pédagogique et le retour aux fondamentaux de base, à savoir une sélection rigoureuse d'enseignants expérimentés, conscients du caractère fondamental de la promotion et de l'excellence académique. À l'école franco-guinéenne Djandjan, nous promouvons une coéducation école-parents pour le préscolaire, une expertise avérée dans la petite enfance avec des locaux ultra-modernes et des équipements scolaires aux normes internationales. Chez nous, l'initiation à l'outil informatique commence dès la maternelle avec des logiciels ludiques et éducatifs. À partir de 5 ans, l'anglais est enseigné à tous les niveaux. À l'école franco-guinéenne Djandjan, nous disposons également d'un terrain de sport, une aire de jeu, une cantine scolaire, une infirmerie, une salle informatique, une bibliothèque physique et une crèche. Un pool de formateurs qualifiés tournés vers le renforcement des matières fondamentales avec une mission, préparer les élèves à réaliser leur meilleur parcours. À l'école franco-guinéenne Djandjan, nous utilisons un logiciel de gestion d'école permettant aux parents d'élèves de suivre régulièrement leur enfant à distance et contrôler leur retard, absence et même leur rythme de révision à travers le téléphone. Les inscriptions ont déjà commencé. Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée. L'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Troisième et dernière partie dans cette émission. Dans un instant, la parole à notre invité, Maître Amadou Diallo, en compagnie de qui nous allons évoquer trois recours qui étaient pendants devant la Cour de justice de la CEDEAO, dont celui donc, qui s'est ouvert ce matin dans le cadre d'une procédure accélérée introduit par des opposants au régime d'Alpha Condé à l'époque, des opposants, il faut le rappeler. Qui avait été arrêté et détenu 9 mois durant, voire plus pour certains d'entre eux, dans la foulée de l'élection présidentielle et des violences qui ont émaillé ce scrutin à l'issue duquel l'ex-président Alpha Condé s'était offert un troisième mandat. Des opposants qui avaient été poursuivis, entre autres, pour des faits de fabrication, acquisition, stockage, détention et usage d'armes légères, de guerre, de détention de munitions, de menaces et d'associations de malfaiteurs, violences, atteintes volontaires à la vie, troubles à l'État par dévastation et participation à un mouvement insurrectionnel. Et depuis cette époque, ces opposants, Dr Chérif Ba, Selou Baldé, Abdoulaye Ba, Étienne Soropogui et Ousmane Gawal Gallo, à l'époque des faits, tous membres de l'UFDG et de la NAD, ces opposants avaient donc assigné l'État guinéen devant la Cour de justice de la CEDEAO dans le cadre d'une procédure accélérée, comme je l'indiquais tantôt, pour dénoncer la violation de leurs droits élémentaires, les conditions inhumaines, indignes et dégradantes de leur arrestation et de leur incarcération, ainsi que le caractère arbitraire de leur détention. Ce recours restait-il en souffrance par devant la Cour de justice de la CEDEAO? Que réclament concrètement ces opposants, ces acteurs politiques à l'époque opposants au régime d'Alpha Condé? Quid du cas Ousmane Gawal Gallo qui entre-temps est devenu membre du gouvernement de transition? Des questions et d'autres. Nous en profiterons également pour évoquer, faire un point sur la procédure concernant l'affaire Air Guinée et celle du domicile de la cellule d'Alain Diallo en compagnie de notre invité. Quelques réactions en deux minutes avant donc de clôturer notre enquête et avant de recevoir notre invité, Mouktar Dembaye. Bonjour à Aboubacar et à tous les chroniqueurs de l'émission. Aboubacar, la naïveté d'un Guinéen, c'est de penser que cette junte peut nous conduire à une meilleure destination. Si l'atmosphère de la liberté sous Alpha Condé était asphyxiante, elle est et continuera à être toxique sous le CNRD. Abdourahim UFDG Diallo, bonjour l'influenceur ouest-africain, bonjour à tous vos chroniqueurs.
tout mon soutien à la presse guinéenne. Je fustige l'arrestation de ces journalistes. C'est de la part d'Abdourahim UFDG Diallo, coordinateur général de la Sikora UFDG. Makassi aussi sur Facebook. Bonjour Aboubakar, à toute l'équipe. Je pense qu'il est temps pour que les Guinéens se lèvent comme un seul homme pour rappeler au CNRD sa mission et surtout leur rappeler qu'ils sont arrivés au palais par effraction. Donc ils redescendent sur terre car ils pensent qu'ils sont des rois en Guinée. Alpha Zidane Diallo, bonjour Aboubakar à toute l'équipe. Alpha Zidane Diallo, depuis que Rotitit il y a de cela plus d'une semaine que des gens sont en train de se rejeter la responsabilité d'être à la base des restrictions du fonctionnement du site Guinée Matin, la question qu'il fallait se poser, l'État n'est-il pas prompt à s'y mixer pour tirer tout ça au clair pour la compréhension ou la consommation du public? Il pose la question. D'autres réactions aussi encore pour une minute. On y va avec ces auditeurs. Toujours très nombreux, Doen de New York. Bonjour, Monsieur Diallo, et à votre équipe, je demande à toute la presse confondue d'être solidaire, de prendre une journée sans presse. Merci et bon courage. Allez, Hadi, notre confrère de Global, et plutôt de l'Étoile TV depuis Tougoundi, ce qui se passe avec nos confrères est très grave. On devrait tout simplement encadrer cette marche pacifique, mais malheureusement, il y a des gens qui veulent donner une mauvaise image au gouvernement de Doumbia, donc au colonel de prendre sa responsabilité. Allez, cet autre aussi, c'est Mamadou Bobo Ndiaré Diallo. Les acteurs de la société civile pourchassés, les politiciens traqués, la presse muselée. Voilà le visage maléfique de celui qui s'était présenté comme le lion noir qui est mentionné d'Andramous. Le colonel est pris en étau par la partie toxique du CNRD. Allez, Alia Konsoba aussi. Bonjour à tous. Soutien à vous, les journalistes. Et nous sommes fiers de vous. À bas la dictature, Alia Konsoba qui nous envoie ce message. Allez, deux dernières réactions avant de clôturer ce message de qui a exactement Abdul Karim Mouloba. Félicitations à la commission d'organisation de Ali Poular et à son président Elhadj Alseni Barry par rapport à la nationalisation de cet événement. Nous y serons, Inch'Allah. Par contre, mes sincères condoléances à la famille biologique des Souffs Sampil et particulièrement au maire Mamadou Batos Kamara qui était son ami intime. Cet autre aussi, c'est Corboya Baldé. Bonjour ma star, suite au décès de mon grand Sampil, je présente mes vives condoléances à ma famille politique, séparément à mon père spirituel, le président Alpha Condé. J'ai été aussi un proche de ce grand homme, hyper religieux malgré ses occupations. Il a toujours eu le temps de la prière, une chose qui fascinait énormément chez l'homme. Dors en paix, mon grand. Allez, et en fin de compte, ce message de Sonoussi depuis Bailoubaya. Bonjour Douane à toute l'équipe, Sonoussi depuis Bailoubaya. Honte à tous ceux qui sont contre les organes de presse. S'attaquer à un des leurs est ignoble. C'est le quatrième pouvoir, tout simplement. Vive la liberté de la presse. Bon lundi à vous tous. Allez, Mirador, continue, Babin. Mirador. Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée. Bien, ouais, on vient de l'apprendre, cette urgence selon Média Guinée. Urgent, la Cour de justice de la CEDEAO vient d'ordonner la libération de Kassori, Dr Mohamed Diané et Oué Guilavogui. Donc, mauvaise nouvelle pour l'État guinéen qui maintient en détention depuis près de 2 ans des anciens hauts responsables du pays. La Cour de justice de la CEDEAO a ordonné la libération de l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana et ses co-détenus, Dr Mohamed Diané et Oué Guilavogui. Donc, c'est une information qui vient de tomber. Elle est signée Média Guinée et on va y revenir forcément dans le numéro Mirador de demain. Darai, avant de recevoir notre invité, on a écouté l'enquête de Mamadou Diallo sur les 6 milliards de francs guinéens. C'est extraordinaire ce qui se passe dans ce pays. 6 milliards qui sont passés là. Et ce que j'ai remarqué dans les informations rendues par Ouri, c'est que les 6 milliards ont disparu entre octobre et janvier. Dans l'intervalle de combien de mois ils ont su quand même trouver des prétextes pour pouvoir sortir de l'argent et beaucoup d'argent comme ça. Il a fallu combien de mois ils ont incarcéré l'ancien président de la 9e législature, Amadou Damaro, et également Michel et la dame Zéfarel qui n'étaient pas du tout en détention. Mais après, on les a épinglés dans cette affaire, soi-disant que 15 milliards de francs guinéens se sont envolés comme ça.
ça. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte dans les explications de Amadou Damaro Camara qu'il y avait 6 milliards à la prise du pouvoir dans les caisses de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, il va falloir que les autorités actuelles s'expliquent là-dessus. Fassent la lumière. Parce que si vous pensez que les autres sont criés fables, alors que vous, en tout cas, sous votre magistère, il y a eu de l'argent comme ça qui s'est envolé sans qu'on ne fasse la traçabilité. Ouais. Je pense que vous devriez être quand même très gêné par cette situation et incarner le bon exemple. C'est bien de traquer. Je suis d'accord parce que moi, je suis formelle là-dessus. Mais on connaît ta position là-dessus. Oui, bien sûr. Mais tu es intraitable là-dessus. Exactement. Parce que pour moi, personne n'est maudit. Ouais. Les Guinéens méritent justement de savoir comment les fonds publics sont gérés et les Guinéens méritent d'en profiter. Mais ce n'est pas un cercle qui doit se remplir la poche au détriment de la population. Bien. Aujourd'hui, on mérite de savoir exactement comment ces fonds-là ont été utilisés, même s'il y a des prétextes que moi je rejette en bloc. Mais il faut qu'on nous explique qui sont ceux qui ont justement fait ces manœuvres que je trouve assez déplorables pour notre pays. Parce que pour le moment, on n'est pas prêt à sortir du cercle de la corruption. Le cercle vicieux de la corruption. Et c'est vraiment très dommage pour ce pays. C'est malheureux. Manu, il est une impérieuse nécessité pour le CNRD, pour la junte, jusqu'au sommet, de faire la lumière sur au visa de ce qu'on vient d'entendre dans l'enquête de Mamadouri, de faire la lumière sur cette affaire de 6 milliards. Celui qui fait la lumière, c'est la justice. Et je pense qu'elle est suffisamment servie depuis que Amadou Damaro Camara est passé à la barre jusqu'après le rapport de la Banque centrale qui a expliqué comment les 6 milliards ont disparu de ses comptes de l'Assemblée nationale. Je pense que la dernière fois, je l'ai dit, à partir du moment où la Banque centrale a disponibilisé ces informations, le procureur spécial devrait rappeler son appel pour dire « je me suis trompé, je ne devais pas faire appel ». Parce que déjà, le dossier doit... Et déjà, réqualifier le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, c'est que Damaro et compagnie ne devraient plus être poursuivis pour 15 milliards, mais plutôt pour 9 milliards. Pour 9 milliards. Ouais. Et c'est pourquoi La Banque centrale a confirmé l'existence... à la date du 3 septembre, donc 48 heures avant le coup d'État, l'existence de plus de 6 milliards sur le compte de l'Assemblée nationale de la BCRG. Ce qui me choque personnellement, c'est que le coup d'État a lieu en 2021, l'Assemblée nationale est dissoute, Damaro Camara, je pense le 6 septembre déjà, on récupère son passeport, il ne peut plus quitter le pays, et puis après, je pense, avril 2022, il est placé sous mandat de dépôt. Donc avril 2022, nous sommes en octobre 2023. Qu'est-ce que le parquet spécial a fait en termes d'enquête? Parce que si non, pas le parquet arrivé, plutôt et d'abord la gendarmerie avec la direction centrale des investigations judiciaires, il y a aussi l'agent judiciaire de l'État. Oui, avocat. Oui, bien sûr. Ils travaillent tous pour le parquet spécial. Je suis d'accord. C'est la direction finalement centrale des investigations judiciaires. Je comprends mieux, voilà. Manu. C'est le parquet spécial qui leur dit j'ai besoin des informations. Ce sont des instruments qui travaillent pour le parquet. Bien entendu. Et qu'est-ce qui a été fait depuis on a 2 minutes avant de recevoir notre invité jusqu'en 2023 en termes d'enquête, qu'est-ce qu'on a fait juste pour conduire Damaro devant un procès? Parce que si on en est là, je suppose qu'on a fini de réunir les informations. Ou qu'est-ce qu'on a fait pour quand même en rester là sur les 15 milliards alors que tout ce temps aurait été mis à profit pour savoir déjà à la base que ce n'est pas 15 milliards mais c'est plutôt 9 milliards. Si on avait fait des enquêtes, un minimum d'enquêtes, on aurait pu comprendre que Damaro devait être poursuivi pour 9 milliards, pas 15 milliards. Bien. Mais si il est poursuivi pour 9 milliards après qu'il passe à la barre, on vient se rendre compte deux ans après le déclenchement de la procédure qu'en réalité ce n'est pas ce montant. Il faut déjà commencer par le libérer, ensuite requalifier les faits, reconstituer le dossier et peut-être relancer la procédure. Merci. Oui, Manoui, qu'est-ce que tu veux préciser avant l'école? Emmanuel parlait justement de quelle enquête a-t-on menée depuis la gendarmerie. J'ai appris quelque chose d'assez incompréhensible, incroyable, ubuesque, c'est que en fait, il y a des enquêtes qui ont été menées au niveau de la gendarmerie et on nous apprend que des éléments dans les dossiers d'enquête que la gendarmerie transfère à la CRIEF ont été soutirés. Voyez-vous ? Donc si par exemple dans le dossier d'Amaro, il y avait les relevés de comptes bancaires comme quoi il y avait 6 milliards, est-ce que quelqu'un aurait soutiré pour soustrait soustrait
pourvu qu'on le confronte, qu'on le coule au pilori, qu'on le coule au pilori ou qu'on le maintienne en prison. Dommage. Ça aurait été le même cas de soustraction d'éléments donc dans d'autres dossiers, d'autres anciens dignitaires du régime. Nous reviendrons là-dessus, bien dit. Oui, l'icône pour clore. J'ai échangé avec quelqu'un du parquet pour savoir pourquoi la démarche a été légère. L'intéressé m'a dit clairement qu'on est en train d'accuser le parquet, que la procédure est la suivante. C'est l'agent judiciaire de l'État qui poursuit, qui devrait avoir suffisamment de preuves pour envoyer des gens devant le parquet. Et la direction d'investigation avait aussi un rôle à jouer. Et que le travail du parquet commence à partir du procès. C'est les informations que j'ai. Bien. Mais quand vous venez à la direction devant les OPJ, on vous demande combien vous avez dans votre compte. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de travail. Sincèrement. Sérieux. Mais j'apprends que désormais, les gens sont en train de cotiser pour rembourser l'argent pris. Les 6 milliards. Les 6 milliards, ils sont en train de cotiser. Donc pour restaurer le compte de l'ancienne Assemblée nationale. Mais ce qui est grave, Abaka, en dépit de Dr Mohamed Birité, la commission du CNRD qui devrait valider ce chèque devrait être poursuivie aujourd'hui ou s'expliquer. Doit être entendu. Parce que nous savons, ceux-là qui étaient là-bas, ils doivent être écoutés. Dr Mohamed Birité est le premier qui devrait être traqué aujourd'hui. Mais pourquoi depuis que Damaro a fait ses révélations, pourquoi ce monsieur Dr Birité, il reste tranquille comme Baptiste? Mais il est tranquille. Il n'est nullement inquiété. Il ne sera pas inquiété parce qu'il est le grand de quelqu'un. Et ben, c'est la réalité dans ce pays. Abakar, l'autre fois je parlais du Dr Yanné qui est en prison. L'intendant général de l'armée n'est pas en prison. Bien. Dr Mohamed Birité n'est pas en prison parce que c'est le parrain de quelqu'un ou c'est le grand de quelqu'un. Bien. Voilà. Oui, cabine en une minute. On est déjà à la bourre, on doit recevoir notre invité. Quand on lit le libellé des chèques, le libellé d'émission de ces chèques, on se rend compte que ces chèques ont été libellés sur des dépenses supposées être celles de l'Assemblée. L'Assemblée nationale. Il n'en est rien du tout. Sauf que je ne comprends pas, par exemple, que 50 millions, qu'on sorte 500 millions, et 50 millions, le premier chèque, c'est 52. 52 millions pour acheter des frais de bureau, des effets de bureau. Ouais. Mais alors que je ne vois pas. Et on parle même de primes pour les députés, pour une assemblée qui est. Voilà, je pense que c'est. Ouais. Damaro venait de rénover cette assemblée. Cette assemblée était dans toutes les. Quelle était l'opportunité? C'est comme si quand le. Non mais c'était juste pour justifier ces sorties d'argent. Avocat, est-ce que l'on n'a pas fait ici ce qu'on a reproché récemment à des entités, c'est-à-dire que on regarde. Après le 5, on a regardé quels sont les comptes des entités où il y avait un peu de sous. Oui. On dit, bon, il y a des dépenses en cours, il faut sortir. Donc voilà, M. Birité a sûrement fait émettre des chèques comme ça, sans qu'on ne sache effectivement pour quoi ces chèques ont été émis. C'est exactement ce qui ressort là. Merci. Les gens n'ont pas touché de l'argent. Merci, cabinet. C'est aller ailleurs qu'on nous dise où ces sous sont partis. Bien, l'opinion publique guinéenne qui braque ses regards sur le CNRD et sur la justice guinéenne, sur cette affaire de 6 milliards sur laquelle donc l'opinion attend une clarification et éventuellement des poursuites contre ceux et celles qui ont été mêlés à la sortie et à l'utilisation de cet argent, puisqu'il s'agit de l'argent public.
la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Un dernier coup d'œil sur vos réactions avant de donner la parole à notre invité qui nous a rejoint sur ce plateau, Maître Amadou Diallo, avocat de l'UFDG. Ce message de Kabam Fali de Sigiri. Bonjour à Bakar et à toute l'équipe de Mirador. La dame Doussou Kondé a de très carasses politiques. Je ne comprends pas. Elle est très incohérente dans ses propos. Le pays n'a pas besoin d'une telle femme dans l'arène politique. Merci à vous. Car signé Kabam Fali. Allez, cet autre aussi, c'est Ben Famara, dit le fauté. Abakar, dites au colonel que les opportunistes le trompent et l'induisent dans l'erreur, car les journalistes sont nobles. Quiconque provoque un journaliste sait que l'intéressé n'a pas une longue vie. La presse est l'actrice principale de la démocratie. D'autres réactions encore pour 30 secondes avec Bolokada Tourama. Geler son compte bancaire qui lui permet de vivre et de souvenir à ses besoins est un acte de méchanceté et de haine contre les valeureux cadres du RPG arc-en-ciel. Et pousser quelqu'un à l'exil est un acte qui peut faire beaucoup plus de mal à l'intéressé. Donc, de facto, les putschistes illégitimes et légaux sont l'unique responsable de la mort de nos cadres. Ils ne peuvent ni être fonctionnaires, ni être fonctionnaires ailleurs, car ils sont carrément bloqués dans leur pays par ces putschistes. Paix à l'âme du grand militant engagé du RPG arc-en-ciel, Youssouf Sampil. Bolokada Tourama, l'enfant chéri de Dengiraï, qui nous envoie ce message. Cet autre aussi qui est à l'écoute, les deux dernières réactions. Donc avant de donner la parole à notre invité, ce message de Youssouf depuis Lyon. À l'allure où vont les choses, on peut dire que la CRIEF a démontré toutes ses limites quant à la recherche des bandits à col blanc qui ont servi la dictature d'Alpha Condé. Aujourd'hui, il faut une profonde remise en question pour cette cour, une profonde restructuration et un grand remplacement des membres de cette cour pour lui redonner la confiance que les Guinéens avaient portée sur cette cour. La CRIEF constitue le plus grand échec du CNRD qui avait pour boussole la justice, sauf que cette boussole ne pointe plus que vers le sud-est. Allez, l'avant-dernier, c'est Ataoula et Moubantiniel. Je viens ce matin pour interpeller le fonds d'entretien routier et l'agence de gestion des routes à Jirout par rapport à l'état de nos routes qui sont complètement dégradées. Les routes, les ronds-points de T7, T8, Cimenterie et la T10 avec des nids d'éléphants qui causent des embouteillages interminables pour nos compatriotes qui remontent vers Kabylie souffrent énormément. Ces entités étatiques citées ici haut doivent se bouger. Et le tout dernier, c'est bien entendu Mohamed Bayo, fidèle auditeur, c'est le tout dernier. Bonjour, pensez-vous que l'argent reste sous le compte de ces ministres? L'argent là reste sous le compte de ces ministres encore avec ces gens-là qui veulent même vendre la Guinée pour se partager l'argent tellement ils sont affamés, ils sont venus pour se servir, pas pour servir le peuple. Il faut voir, voilà, allez, on va en rester là. La parole à présent à Maître Amadou Diallo. FIM FM, c'est le train qui n'arrive pas à l'heure. Oh, pas que, FIM FM, c'est aussi... FIM FM, Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche est bannie. Mirador, ici, la parole est directe. La parole forcément directe avec Maître Amadou Diallo, avocat de l'UFDG. Il est notre invité en ce lundi. Bonjour Maître Amadou. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, plusieurs dossiers que nous allons évoquer en votre compagnie. D'abord, c'est ce recours qui a été introduit dans la foulée de l'élection présidentielle de 2020 par cinq opposants au régime d'Alpha Condé à l'époque et qui était, peut-on dire, en souffrance devant la Cour de justice de la CEDEAO. Aujourd'hui, il y a eu l'audience d'ouverture. D'abord, expliquez-nous pourquoi ce recours restait en souffrance devant la Cour de justice de la CEDEAO et qu'est-ce qui a été dit à l'occasion de cette audience, cette première audience qui s'est tenue ce matin. Merci beaucoup. Déjà, merci pour l'invitation. Et peut-être Pour commencer, un rappel des faits. Voilà. Pour commencer, il faut rappeler les faits. C'est que les cinq personnes que vous avez citées tout à l'heure, en l'occurrence M. Elhadj Chérif, Ibrahima Chérif Ba, ancien gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, Ousmane Gawal Diallo, actuel ministre des Postes et Télécommunications,
Ba Kindia, Ba Abdoulaye Ba, ancien maire de Kindia, Sellou Baldé, responsable des fédérations de l'intérieur, de fédération UFDG de l'intérieur, UFDG de l'intérieur. Et Étienne Soropogui, président de NVG, des valeurs communes. Ouais, de, nos valeurs communes. Voilà, donc c'est les cinq qui ont exercé ce qu'on appelle un recours individuel devant la Cour de justice de la CEDEAO pour violation de leurs droits humains, les droits, disons, des droits de l'homme. Et comme vous le savez, devant la Cour de justice de la CEDEAO, tout citoyen ressortissant d'un État membre de la CEDEAO a la possibilité de saisir cette cour pour violation des droits de l'homme lorsqu'il estime que ses droits ont été violés par son État ou un autre État membre de la CEDEAO. Donc, c'est dans le cadre de se conformant donc à cette faculté que deux recours ont été introduits. D'abord, un recours normal et devant la cour pour violation, disons, des droits de l'homme, pour manquement de l'État de Guinée à ses obligations communautaires. Ouais. Mais compte tenu du fait qu'ils étaient en détention et que les conditions de détention étaient difficiles, et ils faisaient, disons, ils avaient des problèmes de santé, il vous souviendra que bien beaucoup entendu. D'entre eux avaient été même hospitalisés. Oui. Donc on a introduit un second recours qu'on appelle un recours accéléré. Le premier, c'est sur la base de l'article 10 du protocole de la Cour, et le second, le recours accéléré, c'est sur la base de l'article 59 du règlement de la Cour, qui permet, lorsqu'il y a des situations d'urgence, de saisir la Cour. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, l'audience s'est tenue ce matin, au moment où j'entrais dans vos studios. L'affaire était en train d'être appelée. On venait de terminer celle de Kassori, le recours de Kassori et Oyer Guilavogui et Dr Yanné. Donc, actuellement, je ne connais pas le résultat encore. Là, au moment où j'entrais dans votre studio... Oui, on vient d'apprendre que la Cour de justice de la CEDEAO vient d'ordonner la libération de l'ancien PM Amadou Damarou Camara et ses deux co-détenus, Dr Mohamed Yanné et Oye Guilavogui. Voilà, bon, tout ça c'est normal parce que, comme vous avez dû le constater, depuis que la CRIEF est en place, on a constaté beaucoup d'insuffisances dans le cadre de... du respect des procédures et même du bien fondé des accusations. Parce que vous savez, on ne poursuit pas des gens sur des préjugés. Ce n'est pas parce que tel a été ministre des Finances, ministre du Budget ou ministre des Travaux Publics que forcément il a mis la main dans les caisses de l'État. Même si c'est le cas, il faut le prouver. Un juge ne se contente pas, disons, de l'opinion publique pour dire « Ah, on se connaît dans ce pays ». Il faut réunir les preuves tangibles avant d'entreprendre des poursuites. Il n'est pas normal de se fonder sur des préjugés, de mettre des gens en prison et après se mettre à rechercher des preuves. Ça n'est pas normal. L'affaire de Amadou Damarou Camara dernièrement vient de montrer encore une fois qu'il y a eu beaucoup de légèreté. Mmh. Comment on peut reprocher à quelqu'un d'avoir détourné 15 milliards alors qu'on n'a même pas pris la peine d'aller vérifier dans les caisses, dans le compte de l'Assemblée nationale pour voir s'il y a un petit reliquat là-dedans. C'est quand même le minimum. Exactement. C'est la même chose que dans l'affaire Erguiné. On dit que Sellou a détourné 5 millions de dollars alors que Mamadou Sylla a fourni les preuves pour avoir payé à l'État directement et indirectement 4 730 000 dollars. Ouais. C'est-à-dire donc rien que sur les montants. Voilà, ça ne fait pas sérieux. Ouais. Voilà, donc encore une fois, je pense que le dossier de l'accusation, dans tous ces dossiers-là, n'a pas été bien monté. Il n'y a pas eu de sérieux, de professionnalisme. C'est plus... on a l'impression que c'est des amateurs. C'est politique. Voilà. C'est comme si c'est commandité pour ternir l'image et la réputation d'hommes politiques ou d'anciens dignitaires. Bien. Voilà. Donc, ces opposants ont introduit ces deux recours pour dénoncer les conditions de leur arrestation et de leur incarcération. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils réclament et je vous posais la question de savoir qu'est-ce qui a été dit à l'occasion de l'audience de ce matin, l'audience inaugurale. Bon, donc, pour l'audience de ce matin, je ne saurais le dire puisque je n'ai pas pu malheureusement assister. Ça a coïncidé à mon entrée dans le studio. Ouais. Mais ce que je peux dire, c'est que l'objectif du recours, c'était de pointer du doigt des manquements de la République de Guinée à ses obligations communautaires, notamment en termes de protection et de promotion des droits de l'homme. Chaque État d'ailleurs membre du système des Nations Unies,
est assujetti à un certain nombre d'obligations par rapport au respect des normes liées à la promotion et à la protection des droits de l'homme. Ces normes, ça peut être des normes nationales qui sont consignées dans nos différents textes, code pénal, code de procédure pénale, dans la Constitution. Mais également, c'est des normes internationales, des normes qui sont de vocation universelle. Je pense à la Déclaration universelle des droits de l'homme et au pacte international des droits civils et politiques qu'il faut respecter, mais également des normes à vocation régionale ou sous-régionale. Oui. Que le protocole Maître, si vous permettez, je posais la question, mais pourquoi ce recours est resté quand même sans être traité depuis 2020 il y a deux explications. Et nous sommes en 2023. Il y a deux explications. Comment comprendre cette situation? Il y a deux explications. Oui. La première, c'est que au niveau de la Cour, quand même, il y a une certaine lenteur, un certain laxisme, ça, il faut le dire, parce qu'il y a beaucoup les dossiers durent assez longtemps avant d'être traités. Deuxième, mais il faut le dire aussi que le nombre de juges a été réduit. Avant, au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO, vous aviez 7 juges, aujourd'hui, vous n'en avez que 5. Deuxième explication, c'est qu'à un moment donné, après le coup d'État, et les États tels que la Guinée, le les Mali, États en transition, voilà, ont été suspendus. Donc la Cour n'examinait plus les dossiers émanant de ces pays-là. Donc, bien, dans la foulée de votre question, je voulais savoir justement, une fois qu'on a pris tout ce temps, le régime Alpha Condé n'est plus en place. Oui. Donc s'il y a dans les minutes à venir une décision favorable justement à ceux que vous défendez, puisque l'État est en la continuité, si c'est des questions de dédommagement et tout le reste, ça veut dire que c'est ce régime d'exception de Mamadi Doumbia qui devra, au nom de l'État, répondre de cela. Est-ce que c'est comme ça que ça va devoir se passer? L'État guinéen, membre de la CEDEAO, est reconnu comme tel, quelle que soit la situation intérieure, quel que soit le nom du président de la République ou la nature du gouvernement. Quelles sont les charges éventuelles qu'on peut mettre au compte de l'État au bénéfice de vos clients? Oui. Non. Qu'est-ce qui pourrait tirer à terme? Du moins, ils ne sont plus en prison. C'est-à-dire que les manquements qui sont indiqués dans ce recours-là ne sont pas imputables au gouvernement de la transition. Oui, évidemment. C'est imputable au gouvernement de Alpha Condé. Qui n'est plus en place. Voilà, qui n'est plus en place. Mais puisque vous-même vous le dites, l'État c'est la continuité, c'est l'État qui est responsable. Donc c'est l'État, il appartient à l'État de faire les réparations qui sont indiquées. Ouais. Et par contre... Qu'est-ce que vous réclamez? Qu'est-ce qu'il réclame en termes de réparation? En termes de réparation, c'est des réparations pécuniaires. C'est-à-dire quand vous agissez... À hauteur de combien? Devant la Cour de justice de la CEDEAO, je ne me souviens plus, mais il semble que c'est autour de 40 millions par récurrent. 40 millions de francs CFA. Mais ce qu'il faut retenir... Ça fait quand même autour de 80 000 dollars par personne. Ce qu'il faut retenir, c'est que si la Cour prend une décision, elle peut enjoindre à l'État guinéen de faire un certain nombre de choses. Puisque ces messieurs-là, ces requérants-là, sont déjà en liberté. Parce que dans la requête, on avait demandé qu'ils soient mis en liberté. Maintenant qu'ils sont, dehors, la Cour peut enjoindre à l'État guinéen d'exécuter non seulement la condamnation pécuniaire, mais également de prendre des mesures pour que ces gens-là, pour que cette procédure qui pèse sur leur tête soit clôturée juridiquement, judiciairement parlant. Parce que vous savez très bien comment les gens sont mis en prison, c'est de façon illégale. Dans quelles conditions ils ont été détenus illégalement, libérés. Mais également libérés illégalement. Ouais. On n'y met pas la forme. Tout à fait. Oui, Diaraï. À quoi l'État guinéen s'exposerait si toutefois il continue de faire fi à la décision de la Cour de justice de la CEDEAO lui demandant de libérer tout simplement Kassori et compagnie? Normalement, si on se réfère aux dispositions du protocole des normes communautaires de la CEDEAO, le président de la commission de la CEDEAO peut enjoindre à la Guinée d'avoir à respecter ses obligations communautaires dans ce sens-là. Si après un mois, l'État ne le fait pas, le président de la Commission peut saisir la conférence des chefs d'État qui peut proposer des sanctions contre la République de Guinée. Oui. Voilà. Parce qu'on ne peut pas contraindre malheureusement un État parti à exécuter par la force les décisions rendues par la Cour de justice de la CEDEAO.
Mais il y a un mécanisme de sanction qui est prévu et qui peut être initié par le... La conférence des chefs d'État. Voilà, et qui peut, des sanctions qui peuvent être prononcées par la conférence des chefs d'État à l'initiative du président de la commission de la CEDEAO. Bien, oui, cabinet. Oui, l'autre question, c'est de savoir... Est-ce dans que, le micro, cabinet. Oui, effectivement, il y a aussi la plainte que vous avez portée contre l'État guinéen pour avoir séquestré des cadres de l'UFDG au siège de... Au siège du parti et au domicile de la cellule d'Alain plutôt. Ce recours-là est à quel niveau aujourd'hui? Je ne me souviens pas d'avoir introduit un tel recours au niveau de la Cour de justice. Non, plutôt une plainte. Je parle d'une plainte qui a été portée au niveau interne. Au niveau interne. Bon, honnêtement, je me souviens pas. Peut-être il y a le cas Kalemoudou Yansané. Kalemoudou Yansané. Bon, le cas Kalemoudou Yansané, un recours, ça, c'est pour l'élection du maire de Matoto. Voilà, expliquez-nous comment évolue ce recours aussi. Bon, ce recours est également pendant devant la Cour de justice de la CEDEAO. Effectivement, là aussi, d'ailleurs, ce recours a duré plus longtemps que celui qu'on évoquait tout à l'heure, puisqu'il a été introduit depuis 2017, et ça concernait l'élection du maire de Matoto. Vous savez très bien qu'il y a eu un premier tour de scrutin qui aurait déclaré Monsieur Kalemoudou Yansané est lui vainqueur. Bon, par la suite, le ministre de l'administration du territoire a annulé cette élection et a ordonné plus tard la reprise de l'élection. On sait dans quelles conditions ça s'est passé. Il y a eu même des élus du RPG à qui on a refusé d'entrer dans la salle. On leur a obligé de faire une délégation de vote à d'autres procuration à d'autres personnes, à leur insu. Donc, c'était un peu n'importe quoi. Donc, c'est pour cela que nous avons saisi à l'époque la Cour de justice de la CEDEAO pour que Kalemoudou soit rétabli dans ses droits civils et politiques et qu'il soit installé comme maire de Matoto. Donc, cette affaire-là aussi n'a pas connu, malheureusement, un dénouement jusqu'à maintenant. Mais encore une fois, puisque c'est un recours en violation des droits de l'homme, Kalemoudou Yansané ne sera peut-être pas réinstallé comme maire, le mandat ayant expiré depuis longtemps, mais il peut obtenir réparation, une réparation pécuniaire, mais également une réparation morale sur le principe. Ouais. Parce que c'est surtout pour le principe, même le recours des shérifs Ba et autres, ils le font surtout pour le principe, pour montrer que la Guinée doit respecter ses engagements internationaux. Très bien. En matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Bien. Et surtout respecter les instruments juridiques internationaux auxquels il a librement consenti pour être un état normal. Maître Amadou Diallo, avocat de l'UFDG, dans notre compagnie ce matin. On va évoluer pour évoquer l'affaire Air Guinée. Oui, Air Guinée qui fait couler assez de salive dans la cité. Où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à la procédure? Puisque le principal concerné, M. Cédric Diallo, est toujours de l'autre côté. Bon, écoutez, ce dossier est toujours pendant au niveau de la CRIEF. A-t-il connu des évolutions ou pas? Là, je suis incapable de vous le dire parce que tout simplement, depuis qu'il y a eu une sortie dans la presse, du procureur pour dire que les investigations étaient en train d'être poursuivies à ce niveau. Donc, on en est toujours là. Mais ce que je voudrais dire aux Guinéens, aux téléspectateurs, c'est que en Guinée, je ne sais pas pourquoi on perd du temps en nous occupant de futilité. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Air Guinée n'était pas plus performante que la Paname, que la TWA, que Air Côte d'Ivoire, que Air Sénégal, que Air Gabon, Air Cameroun Airlines. Toutes ces compagnies-là ont été liquidées en faillite, mais on n'a jamais entendu de bruits comme ce qu'on entend là aujourd'hui, comme si Air Guinée est un patrimoine important qui a été dilapidé et vendu par Sélou Dalain Diallo ou par le ministre des Finances ou que a profité, c'est-à-dire il a eu un marché où on a sous-évalué la valeur du patrimoine national et on a donné à Mamadou Sylla. Ce n'est pas du tout ça. La réalité, c'est quoi? Air Guinée était une entreprise moribonde, c'est-à-dire qui avait des difficultés financières. Qui était presque en faillite. Et l'avion qui était utilisé, qui est l'avion présidentiel, c'était une épave volante, fatiguée, plus de 20 ans d'années. En plus,
c'était une société qui était en cessation de paiement. Ouais. La jurisprudence considère ce qu'on appelle la cessation, définit la cessation de paiement comme la situation d'une entreprise dont l'actif disponible n'est plus en mesure de faire face à son passif exigible. Alors, la preuve, c'est que Mamadou Sylla, en achetant l'avion, il a payé les dettes de Air Guinée. Il a payé 2 300 000 et quelques pour la réparation de l'avion à une société israélienne. Oui. Et 1 million et quelques pour les dettes aéroportuaires d'Air Guinée. 1 million pour le personnel ici. Et 300 et quelques mille dollars pour ce qui fait 4 700 et quelques. Ce sont ces montants que Mamadou Sylla a payés et les preuves sont là. Il les a communiqués, c'est dans mon téléphone et c'est partout. Donc, il les a payés à qui, pour rappel? C'est-à-dire qu'il a payé 1 million directement au trésor public, ce qui a servi à payer désintéressé le personnel. Et d'ailleurs, c'est concernant ce montant d'un million de dollars, 2 x 500 000 dollars, qu'on a accusé certains responsables de l'unité de privatisation, du cabinet du ministre des Finances et de la Direction nationale du portefeuille d'avoir un peu touché là-dedans. C'est dans le rapport de Ousmane Kaba, du comité d'audit. Ouais. Donc, on indique les montants qui ont été détournés dans le cadre de ces 1 million de dollars payés. Là. Ouais. Ensuite, il a payé plus d'un million à la société israélienne. 2 millions 300 pour la société israélienne, pour la réparation, et 1 million à des sociétés... Pour les frais aéroportiers au Ghana et au Nigeria. Ouais. Donc, tout cela s'est documenté. Même FFI Ernst & Young, qui avait fait l'audit, tout cela figure dans ce rapport. Alors, je me demande comment on peut inventer, dire que tel a détourné 5 millions de dollars, et ainsi de suite, etc. Donc, encore une fois, Air Guinée, ce n'était pas une entreprise rentable, c'était une entreprise en faillite. On se rappelle que des convocations avaient été adressées et mises. Deux fois, à des mauvaises adresses à l'époque. Depuis, y en a-t-il eu ou pas? Non, il n'y en a pas eu. Et en violation flagrante du code de procédure pénale et des normes internationales en la matière. Parce que ce que les Guinéens doivent savoir, c'est qu'en Guinée, comme ailleurs en Afrique, la privatisation relève du domaine de la loi. Ça ne relève pas du domaine réglementaire. Il y a une loi de 2001 qui a été votée sur le désengagement de l'État et qui a été mise en œuvre par le ministre des Finances et l'unité de privatisation avec l'appui de la Banque mondiale. Et c'est sur la base de cette loi que Air Guinée a été privatisée. Par qui? Par le ministre des Finances. Pas par le ministre des Transports. Le ministre des Finances. Bien. Et justement, dans les discours d'aujourd'hui, permets-moi, au-delà du mécanisme de liquidation que vous avez expliqué, on présente les responsables de l'époque, les cellules et autres, comme des gens qui n'ont pas été patriotes décidant de vendre. Alors que ce qu'on nous dit, c'est que les gens qui financent, qui injectaient de l'argent dans notre économie, qui sont les FMI et Banque mondiale, c'est eux qui ont dit, puisque votre société n'est plus rentable, elle évolue par des dettes et vous avez intérêt à liquider, sinon on ne peut pas nous continuer à vous aider. Il n'y avait pas de choix en fait. C'était une entreprise budgétivore et Air Guinée n'était pas la seule. C'est-à-dire dans le portefeuille de l'État, vous aviez à l'époque plusieurs entreprises qui était moribonde et qu'il fallait liquider. C'était d'ailleurs une mode à l'époque dans tous les pays africains. C'était une politique de désengagement de l'État, la remise en cause de l'État patron. C'est-à-dire que, vous savez, surtout dans notre pays, nous étions un pays socialiste, socialo-communiste. L'État interventionniste. Où l'État intervenait beaucoup dans l'économie et tout appartenait à l'État. Donc, il fallait retourner tout ça au secteur privé. Ouais. Voilà. Maintenant, le processus, le passage du secteur public au secteur privé, c'est régi par des lois. En Guinée, il y a une loi qui régit ça. Ouais. Et il y a des responsables qui sont identifiés. Dans la loi, il est dit que le ministre des Finances est seul responsable des opérations de privatisation. Responsable. Bien. L'icône. Avant dernière question. Bien avant ce troisième appareil du Air Guinée, deux autres appareils avaient été vendus. On n'en parle pas. Qu'en est-il? Et beaucoup estiment également qu'on attend le retour de celui d'Alain Diallo à Conakry pour encore réchauffer ses convocations. Bon, écoutez, pour les autres appareils, moi je pense que l'État est libre de céder son patrimoine. C'est comme le domicile de Celuda Lengal. Ouais. Pour venir à ce tout. Bien sûr. L'État est libre de céder ce qui, conformément à la loi, ce qu'il a le droit de céder. OK, en respectant les procédures, les formalismes prévus. Donc, pour les deux autres appareils, on n'en parle pas parce que peut-être que ceux qui les ont vendus
ou bien ils avaient été vendus avant que Selou ne soit ministre des Transports. Donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Sinon, on aurait en parlé. Bien. Voilà. Mais l'un dans l'autre, franchement, la Guinée doit regarder devant. Ouais. Essayer d'avoir une compagnie nationale digne de ce nom pour qu'on ait un pavillon national à l'image des autres pays. On n'a pas besoin de passer notre temps à faire des querelles inutiles. Et puis, je voudrais rappeler une chose. Air Guinée, Mamadou Sylla l'a acheté à un prix plus élevé que le prix du marché à l'époque, selon moi. Pourquoi il a acheté un avion du même type, moins âgé, à 2 millions de dollars, alors que l'État lui a vendu l'avion présidentiel ici à 4 millions. L'épave, voilà, à l'épave. 4 millions. Ouais. Peut-être donc il a perdu de l'argent. Conte, ne connaissant pas un peu les trucs, c'est Conte qui a fixé le prix. Bien. Voilà. Peut-être pour en terminer, un mot sur l'affaire du domicile de Selouy. Oui, justement, cette procédure également, vous l'avez déclenchée d'abord sur le niveau des tribunaux guinéens. Est-ce qu'on peut savoir où est-ce que... Où est-ce qu'on en est? Alors, cette procédure est toujours pendante devant le tribunal de Dixine, qui est le tribunal qui est juridiquement et naturellement compétent. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est le tribunal du lieu de situation de l'immeuble, du domicile de M. Selou Dalein Diallo. Donc cette affaire est toujours pendante là-bas. Malheureusement, ça n'a pas évolué. Malheureusement, ça n'a pas évolué. Au contraire, ils font tout pour bloquer la situation. Je vais vous expliquer pourquoi. Normalement, le juge là-bas a tous les éléments pour trancher le litige. Mais qu'est-ce qui s'est passé dernièrement ? Il a pris une décision pour renvoyer le dossier devant la Cour suprême pour poser une question à la Cour suprême. Le décret qui attribue le domicile, le domicile à M. Selou Dalein Diallo, est-ce que ce décret-là est légal ou pas ? C'est ça la question que le tribunal de Dixine a posée à la Cour suprême. Donc on attend la réponse de la Cour suprême, c'est-à-dire la chambre administrative de la Cour suprême. Mais Depuis combien de temps ça dure ? Voilà, mais le problème c'est quoi ? C'est que le tribunal n'avait même pas à poser cette question. Le tribunal pose cette question sur la base de l'article 113 du Code foncier et domanial. L'article 113 du Code foncier et domanial concerne quoi ? Les biens du domaine public artificiel ou naturel. Les biens du domaine public artificiel ou naturel qui ne peuvent faire l'objet de cession. Or, le domicile de Selou ne fait pas partie, ne rentre pas dans cette catégorie. Le domicile de Selou fait partie du domaine privé de l'État. Bien. Qui peut être cessible. Donc, qui est soumis au droit, au code civil. Vous voyez, ça dit, on confond les moutons et les chèvres. Ouais. Voilà. Malheureusement. Volontairement. Hein. Malheureusement. Donc, juste pour gagner du temps. Parce que je vais vous dire, si l'État avait raison sur le plan juridique, le juge aurait déjà pris une décision. Ouais. Pour malheureusement. Dire que le domicile appartient à l'État et que Selou n'a pas respecté, s'est attribué illégalement ce domicile. Ouais. Au contraire, c'est une voie de fait. C'est ce qu'ils ont fait là-bas, c'est une dépossession irrégulière qui ne fait pas honneur à la justice, à la Guinée, et à la Guinée. En tout cas, à l'image de la Guinée en tant que État respectueux de son droit. Bien. Voilà. Maître Amadou Diallo, avocat de son État et qui était en notre compagnie ce lundi pour évoquer ce recours introduit par 5 opposants au régime d'Alpha Condé à l'époque devant la Cour de justice de la CEDEAO. Et on en a profité pour faire un point complet sur d'autres affaires judiciaires impliquant l'UFDG ou son chef. Et là, c'est Selou Dalein Diallo. Grand merci à vous, Maître Amadou Diallo. Merci pour votre disponibilité. Ça en est terminé pour aujourd'hui. Ibrahim Babin Diallo et Ibrahim Assila nous ont aidés à relayer cette émission au plan technique. Merci à vous tous qui nous avez suivis aux quatre coins du monde. Le débat en langue poulard, dans un instant avec Mohamed Ba et toute sa team. Film midi avec la grande voix d'Amadou Diallo quand il sera midi sonnante et pétante sur nos antennes. Et nous, on se retrouve demain quand il sera 8h. Portez-vous bien, au revoir. Vous avez suivi l'émission Film 24.